organisé ces deux conférences débats, je rappelle que le 8 octobre dernier, le GIEC, le groupe gouvernemental d'experts sur le changement climatique, a publié un rapport sur les impacts d'un réchauffement climatique global de 1,5 degré, ainsi que sur les trajectoires d'émission des gaz à effet de serre à suivre pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Qu'apprend-on ? Après l'analyse de quelques 6000 publications scientifiques, les chercheurs nous apprennent que le climat mondial s'est déjà réchauffé de 1 degré environ par rapport à l'ère pré-industrielle. Ils nous indiquent également que, au rythme des émissions actuelles, le réchauffement climatique atteindra 1,5 degré entre 2030 et 2052. Sans la mise en œuvre immédiate de mesures appropriées et radicales, pourrait-on ajouter, le réchauffement climatique global, nous disent les scientifiques, pourrait dépasser les 3 degrés en 2100, occasionnant des dégâts encore plus considérables que ceux que nous connaissons depuis quelques années déjà, sécheresses, inondations, tempêtes et ouragans. Le 6 mai dernier, c'est cette fois le GIEC de la biodiversité, la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, qui a tiré la sonnette d'alarme en nous alertant sur le déclin dangereux de la diversité biologique planétaire, ainsi que sur le rythme sans précédent dans l'histoire humaine de la disparition des espèces animales et végétales à travers la planète. Selon les scientifiques, 1 million d'espèces, desquelles dépend l'espèce humaine pour sa subsistance, sont aujourd'hui menacées d'extinction. Dans un autre domaine, non moins déterminant dans la vie de chacun d'entre nous, celui du travail, un ouvrage rédigé par deux économistes du Centre pour la recherche économique et ses applications, paru en mars dernier sous le titre « La polarisation de l'emploi en France, ce qui s'est aggravé depuis la crise de 2008 », décrit comment les emplois des classes moyennes sont aujourd'hui en train de disparaître au profit des emplois à bas salaire et des hautes rémunérations. En cause, selon les auteurs, la mondialisation capitaliste à laquelle la France est très exposée et les progrès technologiques. Pour eux, l'effet direct du commerce international se concentre essentiellement dans le secteur manufacturier, alors que la technologie, elle, exerce un impact omniprésent, disent-ils, sur la répartition des emplois. Plus précisément, les avancées dans les secteurs de l'intelligence artificielle et de la robotique, accompagnées du dynamisme des pays dits émergents, inquiètent les deux économistes, pour qui ces bouleversements dans l'organisation du travail renforceront la pression sur les travailleurs, et notamment sur ceux qui étaient jusqu'à présent les moins concernés par ces mutations, à savoir les travailleurs dont les qualifications sont les plus hautes et les plus basses. Autre illustration de la tendance actuelle dans le monde du travail, une étude publiée en octobre 2014 par le cabinet Roland Berger avance que 3 millions d'emplois pourraient disparaître d'ici à 2025 en France à cause du développement des algorithmes et des robots. Les professions dites intellectuelles ne seraient alors pas moins concernées que les métiers manuels. Les auteurs de l'étude précisent en outre que le nombre d'emplois créés par l'automatisation, 500 000 environ, ne compenseront pas la destruction des emplois annoncés. Alors, dans ce contexte si particulier dans l'histoire longue de la Terre et dans celle courte de l'humanité, que faire ? Pour remporter la lutte, pour ne pas dire la guerre, contre les multiples forces qui détruisent à la fois nos conditions d'existence personnelle et collective, comme toute possibilité de vie individuelle et sociale, une seule et unique issue se dessine aujourd'hui, celle qui doit induire au plus vite des changements profonds et structurels, à la fois dans nos modes de vie comme dans nos modes de production et de consommation. Face à la crise écologique, sociale, politique et économique actuelle, illustration selon certains observateurs d'un effondrement en cours de notre civilisation thermo-industrielle, d'autres imaginaires, d'autres récits, d'autres règles et actions collectives, d'autres façons d'être au monde et aux autres, bref, d'autres communautés de vie et de destin sont aujourd'hui à inventer. Dans cette perspective réjouissante, si la lutte contre le système capitaliste est nécessaire, elle n'est pas suffisante. Cette lutte pour atteindre son but, comme nous le verrons cet après-midi et ce soir avec nos invités, doit aussi prendre en compte et s'inspirer de la critique du système technicien. Une critique qui plonge ses racines dans les mouvements historiques de contestation de l'industrialisation, puis qui a été poursuivie, élaborée, formulée, notamment en France dès les années 1930, par les précurseurs de l'écologie politique et de ce que l'on appelle aujourd'hui la décroissance.
Intimement liée à l'écologisme, cette critique de la technique, menée et incarnée par des communautés technocritiques, selon le terme forgé par l'ingénieur et philosophe Jean-Pierre Dupuis dans les années 70, est un préalable indispensable, nous semble-t-il, si l'on souhaite traiter les problèmes sociaux et politiques contemporains à la racine. Critique du capitalisme, mais aussi et plus largement du productivisme, de l'industrialisme, du technoscientisme, bref, de l'idéologie du progrès et du culte de la croissance, la pensée et l'engagement technocritique doivent et peuvent nous permettre, en ce 21e siècle incertain, d'ouvrir à nouveau le champ des possibles. Alors, c'est précisément tout ça que nous allons voir de façon beaucoup plus claire et argumentée et passionnante avec nos 8 invités aujourd'hui que nous avons le grand plaisir d'accueillir. Alors pour cette première table ronde qui doit nous permettre de bien comprendre pourquoi il est nécessaire d'œuvrer à une technocritique aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Jean-Baptiste Fressos. Alors Jean-Baptiste Fressos, qui va dès maintenant et sans plus attendre prendre la parole. Jean-Baptiste, vous êtes historien des sciences et des techniques, chercheur au CNRS, et vous êtes l'auteur notamment de L'Apocalypse joyeuse, une histoire du risque technologique et de l'événement anthropocène, que vous avez coécrit avec Christophe Bonneuil. Et vous allez nous parler de la critique des techniques à l'heure de l'anthropocène. Voilà. Alors, Anthony, ce que je voudrais faire aujourd'hui, je vais vous parler très brièvement d'anthropocène, mais je vais essayer d'être bref parce que j'en ai un peu marre de parler d'anthropocène. Et puis après, je voudrais vous montrer en quoi le diagnostic de l'anthropocène devrait nous amener peut-être à changer un peu notre façon de critiquer la technique pour se dire finalement ce qu'il faudrait, c'est critiquer les objets, critiquer la matière, critiquer la multiplication des objets plutôt que la technique en général. Alors, donc d'abord, qu'est-ce que c'est que l'anthropocène pour ceux qui peut-être ne savent pas encore ce que c'est? L'anthropocène, c'est un constat qui a été posé par des géologues et de dire finalement on est rentré dans une nouvelle époque géologique qui fait suite à l'Holocène, c'est les 11 000 dernières années, qui est marquée par la prédominance de l'homme sur les grands paramètres du système Terre. Ça a fait couler beaucoup d'encre, ça a beaucoup excité les philosophes, les artistes, ça a un petit peu excité les historiens. Moi, j'étais un petit peu émoustillé par cette affaire en 2008-2009, par là. Et en même temps, évidemment, anthropocène, c'était un très mauvais mot pour désigner la crise environnementale, puisque derrière cette idée d'anthropocène, il y a l'idée d'un anthropos. Alors, c'est qui l'anthropos de l'anthropocène? Donc, on se retrouve avec une vision très malthusienne, finalement, de la crise environnementale, où c'est l'humanité prise comme une espèce qui serait communément responsable de la crise environnementale. Donc c'est assez facile à critiquer. Si on pouvait mettre la première slide, ce serait cool. Donc voilà, je critique l'anthropocène. La seule chose intéressante, peut-être dans ce terme d'anthropocène, il y a deux choses intéressantes. Premièrement, comme c'est une nouvelle époque géologique, ça montre bien que ce qu'on vit, c'est pas simplement une crise environnementale, quelque chose qui a une temporalité relativement courte. Ce qu'on a enclenché sur la Terre, c'est une révolution géologique d'origine humaine. Donc ce qu'on vit, c'est pas simplement un mauvais moment, si vous voulez, qu'on va résoudre avec quelques éoliennes et quelques panneaux solaires, même si je pense que les éoliennes et les panneaux solaires font partie de la solution. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond, et on a altéré la dynamique du système Terre pour des siècles et des siècles. Donc ça avait, disons, cette amplitude pour bien montrer les conséquences énormes de ce qu'on a fait sur la planète. En gros, la force de l'anthropocène, elle est surtout symbolique, c'est de dire, pour retrouver finalement des changements aussi brutaux sur la Terre, il faut remonter à plusieurs millions d'années. Pour retrouver un niveau de CO2 aussi élevé, il faut remonter à 3 millions d'années. Pour retrouver une baisse aussi rapide de la biodiversité, il faut remonter à 65 millions d'années, etc., etc. Donc c'est un petit peu cet intérêt, disons, de mobiliser la géologie, c'était de faire prendre conscience, même si j'aime pas du tout ce mot, en tout cas de bien insister sur le côté vraiment extraordinaire de ce qu'on est en train de faire sur la planète à l'échelle de la temporalité de la planète, à l'échelle des 5 milliards d'années, si vous voulez, de la Terre. Il y avait un deuxième intérêt, à mon avis, qui est plus productif en termes intellectuels, c'est que ça nous force aussi à rematérialiser ce que l'activité humaine, même si ce mot veut rien dire, puisqu'il faut décomposer entre pays, entre entreprises, entre races, entre classes sociales, etc., mais de rematérialiser ça à l'échelle globale. Et moi, ce qui m'avait frappé dans les textes de l'Anthropocène qui étaient parus autour des années 2009-2010, c'était ce genre de graphique où on avait des courbes absolument ahurissantes
de consommation de matière, d'émissions de polluants à l'échelle de 2 siècles. Et en tant qu'historien, moi, je me disais, ce qui me frappe, c'est qu'on n'a pas d'histoire qui soit capable de rendre compte de ce genre de courbe. Ou alors, on a déjà toute l'histoire, mais disons qu'on n'a pas rematérialisé l'historiographie, ce qui nous permettrait vraiment, en termes historiens précis, de comprendre la dynamique de l'Anthropocène. Donc, je pense que l'intérêt principal, c'était finalement de nous forcer, de nous inciter à rematérialiser les problèmes à l'échelle globale. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est la critique de la technique. Qu'est-ce que ça veut dire pour la critique de la technique? Je dirais que d'une certaine manière, cette prise en compte du poids de l'humanité, si vous voulez, ça devrait nous inviter, à côté d'une critique morale, sociale de la technique, qui est absolument indispensable et qu'il ne faut absolument pas rejeter, faire une critique matérielle de la technique. Et je pense que c'est assez différent, parce que ce qui compte dans ces cas-là, ce n'est pas tant les objets techniques, la technologie, le high-tech, ou disons les formes de plus en plus avancées de la technoscience, mais le nombre de ces objets et les masses de matière que ces objets mobilisent. Alors, je voudrais vous montrer, si on peut changer de slide, un graphique qui vient de paraître de 2019 d'un groupe de chercheurs qui se trouve en Autriche, qui sont les grands spécialistes de la quantification de la matière à l'échelle globale. Donc, c'est un article qui vient de sortir de 2019 qui nous montre un petit peu l'évolution de la consommation matérielle au niveau global. Ce qui est frappant, c'est que c'est la courbe en haut à gauche, l'extraction de matière au niveau global. Ce qui est assez déprimant, c'est que, comme vous pouvez le voir, il y a une rupture de pente, mais elle va dans le mauvais sens. Entre 2002 et 2015, l'humanité a extrait 1000 gigatonnes de matière, donc essentiellement, vous voyez, du gravier et du sable, c'est pour les constructions d'infrastructures, de routes en particulier, de bâtiments, de la biomasse, ça croît très vite la biomasse. Ça s'accélère, la consommation de biomasse, principalement parce qu'on mange de plus en plus de viande à l'échelle globale. La consommation d'énergie, elle, a tendance à se stabiliser vaguement, mais ça augmente quand même encore un peu dans les dernières années. Mais ce qui est frappant, c'est qu'entre 2002 et 2015, je vous ai dit, on a extrait 1000 gigatonnes de matière, et ça représente un tiers de tout ce qui a été extrait depuis 1900. Donc, dans la dernière période, au moment où on n'arrête pas de parler de transition énergétique, au moment aussi où il y a une crise économique qu'on nous dit être catastrophique, la consommation de matière n'a fait que s'accélérer. Alors, ce qui est intéressant, je trouvais dans leurs travaux, ils montraient qu'il y avait un changement. En gros, si les consommations de choses qui s'évaporent, genre charbon, pétrole, gaz, ont tendance à croître un peu moins vite. Par contre, ce qui croît de plus en plus vite, c'est la consommation de gravier et de sable, et donc la production d'infrastructures. Et le truc le plus frappant, finalement, c'est cette courbe-là, en bas à droite, c'est les stocks de matière. On a un accroissement des stocks de matière, des infrastructures. On a stocké près de 961, donc on a quasiment 1000 gigatonnes de matière stockée en 2015, et 40% de ces stocks ont été constitués entre 2002 et 2015. Ce qui est important, c'est de voir que cette augmentation de stocks, à terme, bon, c'est déjà de l'artificialisation des sols, c'est énormément d'émissions de CO2 parce que le béton, c'est très énergivore, c'est tout plein de problèmes environnementaux massifs, évidemment. Mais à terme, ça sera en fait des flux, ça sera des déchets, parce que c'est la durée de vie de ces infrastructures en béton, elle est assez limitée, en fait. C'est de l'ordre de 50-60 ans. Donc on va se retrouver avec un énorme problème lié aussi à la maintenance de cette énorme infrastructure qui n'a fait que croître entre 2002 et 2015. Est-ce qu'on peut changer de... Non, revenir peut-être une seconde à la précédente, pardon. Donc, la mauvaise nouvelle, si vous voulez, alors c'est absolument lisible, mais si on prend l'extraction domestique totale entre 1973 et 2002, ça s'était un peu calmé, on était à 1,9% de croissance par an, et ça s'est de nouveau accéléré entre 2002 et 2015, puisqu'on est à 3,3%. D'accord. Donc c'est un peu ça, disons, la leçon assez déprimante de ce genre de travaux où on rematérialise concrètement ce qu'on fait sur la planète. On ne parle pas du high-tech, etc. On regarde concrètement ce qui se passe en termes de flux de matière. Si on peut par contre changer une fois. Alors cette slide, je voulais simplement vous montrer, en gros, cette accumulation de matière, elle a eu lieu massivement en Chine.
faut pas se leurrer, c'est 60% de la croissance de l'extraction de matière s'est faite en Chine. Et là, vous avez le Global Center de Chengdu, qui est le plus grand bâtiment du monde. Ça fait 3 fois le Pentagone, 8 fois le Louvre. Et puis évidemment, l'essentiel, c'est les routes, les infrastructures. Les bâtiments sont en fait pas si importants. Il y a une thèse qui est en train de se faire de Nello Mogales sur ces questions de bétonisation. Ce qui montre, c'est que plus de la moitié, c'est les routes. En fait, les routes sont extraordinairement demandeuses de matière, de gravier, etc. Alors, si on peut encore changer le slide, c'est pas très pratique, désolé. Alors, il se passe aussi quelque chose, il faut aussi le reconnaître, dans les pays avancés, riches, on va dire. Ça, c'est un travail qu'on a fait avec Nello en premier auteur, mais il y avait François aussi qui était dans l'article. C'est la même chose que font les Autrichiens au niveau global, mais simplement pour la France. Depuis les années, alors c'est vraiment lié au choc du pétrole, c'est pas du tout lié à l'incantation de la transition énergétique, la consommation matérielle de la France a diminué, mais relativement peu quand même. Il faut pas on passe de 17 tonnes de consommation matérielle par an, par habitant, à 13. Donc ça a un petit peu diminué en 40 ans, mais ça va pas du tout évidemment au rythme qu'il faut pour la question de la transition énergétique. Alors, pourquoi il n'y a pas de transition? Finalement, c'est ça la question qui me semble importante. Pourquoi on a un mal fou, finalement, à faire vraiment une transition? Alors, il y a une raison toute simple, c'est que si on regarde en fait l'histoire des techniques, et en fait, il suffit de regarder un tout petit peu l'histoire des techniques, pour voir que cette idée de transition, elle est fondée sur une mauvaise compréhension de l'histoire des techniques. La chose importante, c'est que historiquement, les techniques ne se substituent pas les unes aux autres, là, pour la plupart du temps, et encore moins en termes matériels. Et je vais vous donner un exemple précis sur la bougie. L'histoire de la bougie au 19e siècle, on pourrait croire que la bougie, c'est un truc qui est has-been au 19e siècle, parce que apparaît le gaz d'éclairage, puis plus tard l'électricité. En fait, la bougie ne fait que croître, ne fait que continuer de croître au 19e siècle. Le pic bougie, c'est à la pic de la bougie, le pic de la consommation de la bougie, c'est à la fin du 19e siècle. Et ça continue à un niveau très, très élevé, encore loin dans le 20e siècle. La chose vraiment importante, si on pense à l'histoire de l'éclairage en général, au 19e siècle, c'est pas l'arrivée du gaz d'éclairage, qui est quelque chose d'assez mineur en fait, c'est la globalisation des flux de graisse qui alimentent l'économie française, et en particulier des graisses d'Afrique de l'Ouest et l'huile de palme, qui commence à être utilisée à partir des années 1820-1830 massivement pour l'éclairage des Français. Et ce qui me semble intéressant quand on dit huile de palme, c'est qu'on voit bien que même si la bougie a disparu, la consommation d'huile de palme, elle, n'a fait que croître. Et on n'en a jamais consommé autant que maintenant. D'une certaine manière, on est encore dans une situation assez proche du 19e siècle, où on utilise énormément de biomasse pour nos besoins énergétiques. On utilise beaucoup plus de biomasse pour nos besoins énergétiques qu'on ne le faisait dans les économies qu'on décrit utilisant des énergies traditionnelles. D'accord ? Donc, à la fois en termes techniques, l'idée d'une transition technologique, si on prend le cas de l'éclairage, ne marche pas très bien. Et si on le prend en termes matériels, ça ne marche pas du tout. D'accord ? Donc vraiment, la question importante, c'est de se dire qu'il faut passer d'une vision transitionniste de l'histoire des techniques à une histoire additionnelle, additive, si vous voulez. On passe d'une strate technologique les unes sur les autres, et ça vaut encore plus quand on prend en compte les flux de matière. Une autre manière de le dire, c'est qu'il faut imaginer le monde économique et technique dans lequel on vit comme quelque chose qui est tout le temps en train d'utiliser l'essentiel des matières disponibles. J'ai un autre exemple récent sur lequel je suis tombé récemment. En gros, un produit chimique hyper important au 19e siècle, c'est la soude, qui sert à faire du verre, du savon, blanchir le textile, blanchir le papier. En gros, vous avez besoin de soude pour absolument faire tout dans l'industrie au 19e siècle. Au 18e siècle, on brûle du bois ou bien des algues pour produire cette soude. Je pensais que au 19e, 20e siècle, on arrêtait de faire ça. Mais en fait, pas du tout. On continue et ça ne fait que croître. On produit davantage de produits chimiques à partir d'algues fin 19e qu'on le faisait en fait au 18e siècle. Parce qu'on retire autre chose. On va retirer du brome, on va retirer plein d'autres choses moins connues. Mais en fait, la consommation de biomasse ne fait que croître, même pour la chimie au 19e siècle. Alors, une fois qu'on a, disons, cette vision en tête, une vision donc matériel des techniques, il me semble que ça fait plusieurs choses pour la question de la critique des techniques actuellement. Premièrement, je crois que ça doit décentrer le regard du high-tech, de l'innovation, du nouveau en général. Tout simplement, pour une raison toute simple, ce qui nous a mis dans la merde, c'est quand même des technologies anciennes. C'est les technologies du 19e et du 20e siècle. Si on prend, par exemple, des choses vraiment toutes bêtes de bon sens, ce téléphone portable qu'on adore critiquer et puis qu'on adore tout court, j'ai regardé son chargeur, c'est un chargeur qui consomme 7 watts.
Si on l'utilise pour le charger 3 ou 4 heures par jour, on va consommer par année 10 kWh simplement pour l'utilisation du téléphone portable. Donc 10 kWh par an. Un aspirateur, ça consomme 500 watts. Si on fait 30 minutes de ménage par semaine, on consomme plus d'énergie à faire le ménage avec son aspirateur qu'en utilisant le téléphone portable. On a des tombereaux de littérature sur la critique écologique du high-tech et des téléphones portables. Et on ne critique pas l'aspirateur, mais l'aspirateur, c'est en fait hyper dommageable pour l'environnement. D'accord ? Et si on rajoute à ça, alors l'aspirateur, c'est un cas tout à fait marginal, mais alors, si vous prenez les plaques de cuisson, si vous prenez le réfrigérateur, la machine à laver, ou encore pire, le chauffage électrique, mais vous avez des milliers de fois la consommation énergétique de nos objets numériques. Et pour autant, on a tendance à se focaliser sur la critique numérique. La critique numérique, à mon avis, très importante à réaliser, mais pour des raisons aussi environnementales, il faut le faire, évidemment, parce qu'il y a plein de terres rares, de trucs dégueulasses, c'est compliqué à recycler pour plein de bonnes raisons, hein, il faut critiquer le numérique. Mais il ne faut pas non plus oublier de critiquer l'ensemble des infrastructures qui existaient auparavant et qui sont en fait encore plus dommageables, si vous voulez. D'accord ? Alors, je voudrais conclure sur deux points avec un changement de slide, s'il vous plaît. Non, dans l'autre sens. Alors, ça c'est une slide qui, à mon avis, enfin, je peux aller assez vite, mais en gros, on a tendance, évidemment, le problème, je vous l'ai dit, c'est qu'il n'y a pas de transition et ça vaut en particulier pour le cas de l'énergie. Historiquement, il n'y a pas de transition énergétique. En gros, on pourrait penser qu'on passe d'un système énergétique organique au XVIIIe siècle à un système fossile sur charbon au XIXe siècle, au XXe siècle au pétrole. Ça, c'est l'histoire qu'on a tous en tête. Et même je veux dire, si vous prenez Tim Mitchell, qui a écrit un livre important qui s'appelle Carbone Démocratie, il a ce schéma en tête où le XXe siècle serait le siècle du pétrole qui aurait permis de contourner le charbon. Mais en fait, c'est faux. Historiquement, le pétrole ne fait que s'ajouter à un mix énergétique qui reste aussi basé sur le charbon. Et on utilise, je vous l'ai dit, sans doute plus d'énergie de la biomasse maintenant qu'on l'utilisait au XVIIIe siècle. Donc il faut vraiment se sortir de l'idée qu'on a fait des transitions et que donc ce qu'on doit faire, c'est finalement quelque chose qu'on a déjà fait. Et c'est, je vous montrer simplement quelques-unes des images récentes. J'ai découvert que, par exemple, en Irlande, on utilisait encore la tourbe il y a peu pour faire de l'électricité. La tourbe, hein. Franchement, la source d'énergie qu'on estimait déjà ringarde pour plein d'industriels au XIXe siècle. Autre exemple que je trouve assez intéressant, c'est en bas à droite, vous avez l'image d'un métanier qui s'appelle Christophe de Margerie, qui historiquement a un rôle important parce que c'est le premier qui a fait le passage par le Nord-Est. En gros, il a rejoint l'Europe à la Chine, à l'Asie, en passant non pas par Suez, mais par le nord de la Sibérie. Alors évidemment, on n'en a pas tant parlé que ça, mais alors que dans l'histoire de la globalisation, c'est sans doute un grand événement, quoi. C'est comme si un nouveau canal de Suez était creusé gratuitement grâce au changement climatique. C'est un truc qui va vraiment changer sans doute les flux économiques et les flux commerciaux. Mais l'autre chose intéressante, c'est que ce bateau, ça sert à transporter du méthane qui est extrait donc au nord de la Sibérie, dans un endroit qui s'appelle Yamal. Et à Yamal, il y a pour entre 35 et 50 ans de consommation mondiale de gaz. Donc il y a énormément de matières fossiles. Et il n'y a aucune raison que la transition, si vous voulez, se fasse à cause du pic. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut sortir de la tête. Des ressources fossiles, il y en a, mais largement trop pour des questions climatiques. Ce que nous disent les climatologues, c'est qu'il faut laisser les trois quarts des ressources économiquement accessible, donc même pas très cher en fait, très compliqué à exploiter, de pétrole, de charbon et de gaz. Il faut laisser tout le charbon, il faut laisser l'essentiel du pétrole et il faut laisser une bonne partie du gaz sous le sol pour pas dépasser les fameux 2 degrés en 2005. Donc le point important, c'est qu'on n'a jamais fait de transition énergétique. On continue, la consommation d'énergie fossile continue à croître, un peu moins vite, mais elle continue à croître, et qu'il n'y a pas de question de ressources. Dans ce cadre-là, je crois qu'il faut se méfier d'une forme de technocritique à l'époque de l'Anthropocène. Il faut bien voir que les écolos n'ont pas le monopole de la critique de la technique. La critique de la technique, elle vient un peu de tout plein d'endroits différents et elle vient aussi des lobbies pétroliers et nucléaires. Et je voudrais vous donner en exemple la critique de l'éolien, des éoliennes. J'habitais à Londres de 2011 à 2014 et j'étais frappé de voir que chaque semaine, il y avait dans The Sun ou le Daily Mail des articles sur, alors ça allait être
le dernier oiseau qui avait été flingué par les pales d'une éolienne. Ça pouvait être... il y avait des choses assez folkloriques. Par exemple, des chercheurs d'une obscure université américaine qui expliquaient qu'en fait, les éoliennes réchauffaient le climat parce que ça perturbait la circulation de l'air et l'air chaud restait à cause des éoliennes plaquées sur le sol. Qu'est-ce qu'on avait encore ? Des fermiers français qui expliquaient que les éoliennes auraient tué des centaines de vaches en France parce qu'en gros, les éoliennes récupéraient l'électricité du sol et ça faisait du mal aux vaches. On avait chaque semaine des articles complètement pipeaux sur les éoliennes. Il y en a un qui était particulièrement intéressant, c'est un article de 2011 qui expliquait in China, en Chine, le vrai coût de notre Jérusalem verte, c'est en fait la pollution à cause de l'extraction des terres rares. Et cette idée qu'il y aurait une connexion forte entre les éoliennes et l'extraction de terres rares en Chine. Et que finalement, pour que nous, on ait un environnement sain et pour qu'on prétende sauver le climat, on allait bousiller l'environnement à Baotou, c'est une ville à l'ouest de la Chine, en Mongolie intérieure. L'argument a été repris par un journaliste qui s'appelle Guillaume Pitron récemment en France. Le problème, c'est qu'en fait, premièrement, quelques éoliennes utilisent des terres rares, mais ce n'est pas du tout nécessaire. Et par exemple, en Allemagne, les éoliennes n'utilisent pas de terres rares parce qu'en fait, on n'a pas besoin de faire des aimants permanents pour faire des éoliennes. Il suffit de prendre une bobine de cuivre et d'utiliser de l'électricité pour faire un aimant. Il n'y a pas forcément besoin de terres rares. Ce n'est pas obligé. Il y en a qui le font parce que ça réduit un peu le coût de maintenance, mais ce n'est pas du tout obligé. Et la plupart des grandes éoliennes maintenant n'utilisent pas de terres rares. L'autre problème de cet argument, c'est qu'en fait, les terres rares qu'on extrait, c'est vrai que c'est très polluant en Baotou, c'est pas du tout pour faire des éoliennes. C'est pas du tout pour faire la transition énergétique, c'est pour nos petits machins comme ça. C'est évidemment pour le high-tech, pour le coup, c'est pour le numérique. Donc en fait, on a une critique de l'éolien, mais ça vaut, à mon avis, pour d'autres questions de renouvelables, qui a été complètement performée dès les années 2008-2009, en fait, par des groupes. Alors, le Daily Mail, que j'ai simplement regardé le site du Daily Mail et j'ai regardé un peu ce qu'il disait sur les éoliennes. L'éditeur, c'est Paul Dacre, je ne sais pas comment on prononce en anglais. C'est un conservateur anglais qui est vendu aux énergies fossiles. On a la même chose aux États-Unis. Ça a été repris par, par exemple, un bouquin de Joseph Toomey qui est An Unworthy Future, The Grim Reality of Obama's Green Energy Delusions, qui est une critique de l'énergie renouvelable, qui est un consultant pour l'industrie pétrolière. En France, si vous regardez, à part Philippe Biwix, en fait, qui est un écolo qui est sur ce créneau-là, la plupart des gens qui critiquent les éoliennes en disant ah oui, ça utilise des terres rares, etc., en fait, si vous regardez très très vite les sources, c'est des lobbies pro-nucléaires qui sont derrière les sites internet. C'est par exemple Contrepoint, vous avez tout un tas d'articles sur le problème des terres rares et de l'éolien qui sont en fait des faux, quoi, qui sont factuellement faux. Donc, j'arrête là, en fait. Voilà, donc je pense que c'est important d'avoir, pour résumer, à l'époque de l'Anthropocène, si vous voulez, les enjeux en termes de choix technologiques, énergétiques en particulier, sont tels pour le bien-être de centaines de millions de personnes à horizon 2050 qu'il faut faire extrêmement attention à la critique des techniques et qu'il faut s'efforcer de voir ce qui compte vraiment en termes matériels, climatiques, énergétiques. Ce qui n'empêche pas après de critiquer les techniques pour des raisons sociales, morales, le big data, big brother, etc. Je veux dire, il n'y a aucun problème avec ça. Mais il faut bien veiller, disons, à rematérialiser les choses. Et je dirais que l'enjeu, c'est aussi notre responsabilité, justement à l'époque de l'Anthropocène, où les choix qu'on fait vont conditionner l'habitabilité de zones importantes de la planète dans le futur. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Merci Jean-Baptiste pour cette mise en perspective historique extrêmement enrichissante qui met en question bien des idées reçues peut-être. Alors on va poursuivre dans cette mise en perspective historique cette fois avec François Jarige. François, vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne et vous avez écrit un livre qui s'appelle « Technocritique du refus des machines à la contestation des technosciences ». Et aujourd'hui, je crois que vous allez nous parler d'une brève histoire des mouvements technocritiques, mais peut-être
plus particulièrement des mouvements de lutte contre la mécanisation dans les campagnes, si je ne me trompe pas. Bon, en tout cas, je vous laisse la parole. Merci. Merci, merci beaucoup. T'as raison, JB. Moi, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut rematérialiser la critique des techniques, et je crois que beaucoup de gens le font. Et c'est l'un des problèmes du téléphone que tu montrais. C'est-à-dire que peut-être qu'individuellement, la consommation est assez limitée. Le problème, c'est qu'il y en a 8 milliards en circulation actuellement sur la Terre. Et c'est cette technique qui s'est additionnée aux autres en créant de nouveaux besoins, en remodelant nos relations sociales, en nous rendant dépendants de cet objet, comme à chaque plein d'autres techniques dans le passé. Et je crois pas que la critique des high-tech soit exclusive des critiques des autres techniques. Tout à fait, l'aspirateur. Non, mais c'est très important ce que tu dis sur la matérialisation de toutes ces techniques. Alors bon, moi j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Technocritique. J'ai beaucoup hésité sur ce que j'allais vous raconter aujourd'hui parce qu'il y a tellement de choses à dire et parce que moi aussi j'en ai un peu marre des fois de raconter toujours la même chose que j'ai hésité longuement, donc je vais un peu rebondir et essayer de vous parler de trois choses. Je voulais commencer en vous racontant une petite histoire. Une petite histoire que JB connaît peut-être, c'est un texte assez obscur qui a été publié en 1859. C'est une petite nouvelle d'un auteur qui s'appelait Alfred Bonardeau et qui s'intitule Archéopolis. Alors, ce texte a été un peu redécouvert par les passionnés de science-fiction et de dystopie catastrophiste, puisque cet Alfred Bonardeau, qui était un érudit de l'histoire de Paris, qui se passionnait pour les ruines de Paris au cours du 19e siècle, en 1859, il écrit une petite nouvelle dans un recueil de textes qui s'appelle « Fantaisie multicolore », dans lequel il propose une sorte de méditation, de rêverie, que je vous raconte en deux mots. Donc un individu se réveille et se trouve plongé en l'an 9950. En l'an 9950, dans Paris, qui désormais est en ruine, puisque la civilisation occidentale s'est effondrée. Et donc il traverse les ruines et il rencontre un groupe d'archéologues du futur, puisque la civilisation s'est repliée en Afrique. Et ces archéologues du futur lui racontent l'histoire de la Terre dans le dernier millénaire, depuis l'Antiquité. L'Antiquité, c'est notre société thermo-industrielle. Et ils racontent ce qui s'est passé, les origines de ce Paris de ruines. Et alors, ce que lui racontent ces archéologues du futur, qui parlent à un archéologue contemporain projeté dans le futur, je ne sais pas si vous me suivez, ce qu'ils lui racontent, c'est qu'au milieu, au début du XXe siècle, au début du XXIe siècle, le monde est entré dans un âge de fer et la société a connu une double crise sociale et environnementale du fait d'un monde industriel poussé trop loin, trop fort dans ses logiques. Et ce double effondrement, cette double crise environnementale, donc il y a une crise sociale, un renforcement des inégalités liées à la mécanisation généralisée du travail qui recrée des populations oisives en surplus, et une crise environnementale, il y a toute une réflexion très rapide, ces trois mots, mais évoquant la question du climat notamment, mais c'est une fantaisie, il n'y a rien, il n'y a pas du tout c'est pas arrimé sur un discours scientifique, mais cette double crise sociale et environnementale liée à une industrialisation trop poussée et à la généralisation d'un système technicien destructeur a conduit à une énorme révolte, au milieu du XXIe siècle. Et cette révolte a abouti à la destruction des usines et à l'attaque contre les ingénieurs, devenue une nouvelle technocratie d'État à l'origine de la crise sociale et environnementale. Et donc, au milieu du XXIe siècle, cette révolte a entraîné un effondrement de la société et une société nouvelle est née qui entendait faire un usage prudent, un usage précautionneux des nouvelles technologies et de la production industrielle pour éviter que ne se reproduise cette catastrophe. Alors cette petite fable, elle est très intéressante, elle a eu très peu d'écho, elle n'est pas connue, mais elle est intéressante parce que son année de publication, c'est 1859. 1859, c'est un moment très charnière qui apparaît dans les courbes que Jean-Baptiste a évoquées. C'est l'un des premiers moments d'accélération de cette extraction croissante de matière, de cette industrialisation croissante du monde. C'est un moment d'installation d'une confiance inédite dans le progrès technique et dans l'idée qu'il y a une technique, la technique en général, comme catégorie générale et abstraite, et que le progrès de la technique en général allait conduire à un progrès des sociétés.
un progrès dans le confort, un progrès dans les relations sociales et morales. C'est l'âge triomphant du positivisme et du scientisme. Et c'est aussi une époque où il y a les grandes expositions universelles, où sont mis en scène, décrites les innovations qui sont censées apporter émancipation et bonheur aux populations. Et c'est dans ce contexte-là que cet auteur propose cette espèce de rêverie. Et alors, ce qui est très intéressant, il me semble, c'est qu'il met en scène l'effondrement du monde de la société industrielle via donc, une double crise sociale et environnementale qui aboutit à une révolte généralisée des dominés contre ceux qui incarnent ce progrès industriel destructeur. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand il écrit ce texte en 1859, d'une certaine manière, les critiques de la technique ou les critiques des techniques, des qu'on n'appelait pas vraiment technique à l'époque, les critiques des grandes machines et du monde industriel, justement, cette critique était, tendait un peu à être résorbée par une confiance croissante dans la possibilité émancipatrice des techniques. Or, lorsqu'il écrit ce texte, on est à la sortie d'une période qu'on peut appeler une période intensément technocritique, puisque la première moitié du 19e siècle, qui correspond au début de l'industrialisation, au début de la confiance croissante dans les innovations, c'est le moment où le mot technique change de signification pour désigner de plus en plus ces artefacts matériels, alors que la technique, dans les sociétés anciennes, ça désignait des savoir-faire. La technique, c'était aussi bien l'art d'apprendre un poème, une poésie, qu'une grosse machine productive permettant d'améliorer la productivité du travail. Le mot technique change de sens. L'innovation, qui jusqu'au début du 19e siècle était un terme connoté de façon très péjorative, l'innovation, ça voulait dire l'introduction de perturbations dans une organisation sociale qui risquait de détruire le fonctionnement de cette société. L'innovation est dotée de plus en plus d'une vision positive, de caractéristiques positives, devient en quelque sorte le moteur de la transformation des sociétés et toute une idéologie, toute une croyance. Je pense que derrière la critique de la technique, il y a à la fois la critique d'objets qui ont une dimension prédatrice ou néfaste sur le plan social et écologique. Et derrière la technique, beaucoup d'auteurs, depuis Jacques Ellul, Günther Anders et tous les autres l'ont dit, la technique c'est aussi une idéologie. Critiquer la technologie, c'est critiquer en fait un certain type de discours qui justement réduit ce qu'est le monde des techniques à un ensemble de croyances dans l'innovation. Et on est encore pris dans ce monde. Et donc quand cet auteur fait cette prophétie, justement les critiques, les émeutes populaires contre les machines ont disparu, ne se reproduisent plus parce qu'on est dans ce moment de consensus modernisateur qui se met en place dans la deuxième moitié du 19e siècle. Or, quand il fait cette prophétie, quand il fait cette rêverie, en réalité, il le fait avec en tête des soulèvements très réels qui ont travaillé la première moitié du 19e siècle. Dans la première moitié du 19e siècle, lorsque l'industrialisation était hésitante, lorsque le rapport de force n'était pas encore complètement affirmé entre d'un côté les industriels et ceux qui promeuvent des nouveaux dispositifs techniques et le reste de la société, lorsque cette inégalité n'était pas encore très creusée et très profonde, les révoltes contre la machine, si on peut appeler ça, est-ce que c'est des formes de pré-technocritique, en tout cas, est-ce que c'est des formes de technocritique au début de l'âge industriel, ces révoltes contre la machine étaient un phénomène assez fréquent, il ne faudrait pas exagérer, mais qu'on trouve de façon récurrente dans la première moitié du 19e siècle. Alors, je ne vais pas vous faire la chronique de ces soulèvements populaires contre la machine qui ont façonné, accompagné le premier âge de l'industrialisation. Vous en connaissez autant que moi. Le 14 juillet 1789 à Paris, à Rouen, dans les secteurs d'activité qui sont à la pointe de l'introduction d'un nouveau système technique dans le monde du travail. On a une émeute des ouvriers du textile qui brûle une nouvelle machine importée d'Angleterre le 14 juillet 1789. En 1811-1812, c'est les grandes émeutes du ludisme en Angleterre qui sont en fait complexes et qui ne se réduisent pas à la question de la machine, mais qui ont comme dimension cette critique des nouvelles machines productives qui sont accusées de renforcer les inégalités et d'accroître la misère. Vous avez en 1830... la révolte des typographes parisiens où toutes les machines à vapeur à imprimer qui venaient d'être introduites dans les ateliers sont détruites par des ouvriers typographes qui ne sont pas des ouvriers obscurantistes mais qui sont l'avant-garde ou l'élite ouvrière la plus lettrée, la plus compétente. Et d'ailleurs ces ouvriers écrivent des brochures pour justifier leur technocritique au début des années 30, pour justifier les violences qui ont eu lieu en 1830 en expliquant pourquoi ils ont brisé les machines. Ils ne sont pas contre la technique en général, ce qui ne veut pas dire grand-chose à l'époque. Ils
sont contre des nouveaux systèmes productifs qui, introduits dans des contextes de tensions sociales, de crise, renforcent les inégalités, renforcent la misère, détruisent un certain nombre d'acteurs et détruisent la position sociale d'un certain nombre d'acteurs. Et c'est pour ces raisons que ces ouvriers détruisaient les machines. On pourrait aussi multiplier d'autres exemples. Dans le monde agricole, on peut en dire un mot, en 1830-31, vous avez les grandes révoltes en Angleterre, dites du Capitaine Swing, au cours desquelles les travailleurs agricoles des campagnes s'ameutent contre des nouvelles batteuses, c'est-à-dire des machines qui permettent d'accélérer considérablement le travail du battage des grains. Une fois que vous avez récolté les céréales, il faut les battre avec un fléau pour séparer les grains de la plante qui les porte. Et autour de 1830, on commence à mécaniser cette opération. Dans un premier temps, en Angleterre, parce que c'est l'Angleterre qui a les plus grands domaines fonciers aristocratiques, où les capitaux sont suffisants pour introduire ce genre de machines, et où on essaye de se passer des travailleurs agricoles pour des raisons de contrôle social, parce que ces travailleurs agricoles sont accusés de renchérir considérablement le coût de l'alimentation et surtout sont accusés de voler une partie des céréales qu'ils sont chargés de battre. Et cette fonction sociale de contrôle social de la main d'œuvre, elle est très importante à cette époque. On a à une moindre échelle en France, parce que la mécanisation du travail agricole prend d'autres formes et est beaucoup plus lente et progressive en France, mais vous avez des émeutes contre les premières batteuses qui arrivent dans les campagnes dans les années 1840, et surtout lors de la Révolution de 48. La Révolution de 48 a vu toute une série d'émeutes de grande ampleur à Paris et en province, au cours desquelles des usines textiles hyper modernes ont été incendiées, au cours desquelles des machines diverses et variées, incarnant la modernité technique et le nouveau productivisme industriel, sont attaquées. Et au-delà de ces violences, qui représentent en fait que la face émergée de l'iceberg, vous avez en 48 de nombreux autres discours interrogeant le sens du progrès technique, son fonctionnement. Vous avez des tas de pétitions envoyées aux nouvelles autorités républicaines en 48, demandant par exemple que, juste deux exemples de pétitions, une pétition d'une ouvrière passementière qui en 48 demande que les machines soient reléguées au musée, puisqu'il faut reconnaître le génie des inventeurs, des ingénieurs qui mettent au point des dispositifs mécaniques ingénieux, mais ce n'est pas parce qu'une machine est ingénieuse et efficace d'un certain point de vue qu'elle doit être utilisée, parce qu'une technique, ses usages sociaux doivent être rapportés aussi au contexte social. Or, 48, c'est un moment de grave crise sociale, une grosse partie de la main-d'œuvre est au chômage, une grosse partie de la main-d'œuvre n'a pas de travail, et dans ce contexte, quelle est l'utilité d'introduire ces machines qui accroissent encore la productivité du travail? D'autres demandent la mise en place d'une législation, d'une taxation sur les nouvelles machines pour rééquilibrer la concurrence, la compétition entre travailleurs et grand machinisme. Donc ces violences sociales représentent qu'une face en fait d'une multitude de manières de critiquer ce qu'on appelle les techniques. Une autre manière de critiquer les techniques, c'est de refuser leur utilisation. Et ça, c'est un point sur lequel j'aimerais insister, qu'on oublie. Qui est peut-être peu visible parce que c'est moins spectaculaire, mais la critique des techniques se fait souvent à bas bruit. Il n'y a pas besoin de la théoriser, il n'y a même pas besoin de l'expliciter, il suffit de refuser l'usage. Et je voudrais juste évoquer un autre exemple là, dans le monde agricole, dans la continuité de ce que je viens de dire sur les batteuses. Lorsque les batteuses mécaniques arrivent, c'est une révolution, c'est la première machine agricole, le premier type d'activité agricole qui voit son travail vraiment se transformer assez rapidement, qui remplace donc le travail des ouvriers qui battaient au fléau. Or, le travail du battage au fléau, c'est très important, se fait au moment où il n'y a pas beaucoup d'autres activités dans les campagnes. Et donc c'était un travail qui donnait du travail, des revenus, des ressources à des travailleurs pauvres, en général qui ne possédaient pas de terre ou pas assez de terre pour subsister, et qui avaient besoin de ressources complémentaires et qui trouvaient dans cette opération du battage des ressources complémentaires pour subsister. Or là, la mécanisation a évidemment des effets sociaux très graves dans les campagnes, puisqu'elle prive ces travailleurs ruraux de cette activité hivernale. Or, quand les machines à battre apparaissent, en fait, dès la fin du XVIIIe siècle, mais disons au milieu du XIXe siècle, elles commencent à bien fonctionner, à être en place. Il y a deux types de machines à battre, en fait, il y en a beaucoup plus, mais en gros, il y a deux types. Il y a des machines à battre à vapeur qui sont en acier, qui sont contrôlées par des chauffeurs spécialisés, qui sont fabriquées dans des usines spécialisées, en général assez loin, qui sont des machines assez dangereuses parce qu'elles nécessitent un combustible extérieur, du charbon, et elles sont très dangereuses parce qu'elles peuvent plus souvent exploser. Et l'autre technique concurrente, c'est la machine à battre à énergie animale, qu'on appelle la batteuse à manège, dont il y avait plein de modèles en fait. Or, ce qu'il faut souligner, c'est qu'entre 1840 et les années 1930,
Les années, c'est dans l'entre-deux-guerres qu'en gros le battage à vapeur l'emporte sur le battage fonctionnant sur la base de l'énergie animale. C'est-à-dire pendant 70 ans, alors que dès les années 1850, les ingénieurs, les agronomes considèrent que le battage à vapeur est infiniment supérieur sur le plan technique et beaucoup plus efficace, entre les années 18, pendant près de 70 ans, en fait, la grande majorité des paysans et des travailleurs agricoles vont mécaniser et commencer à transformer le battage par des batteuses à manège, c'est-à-dire par des batteuses en fait assez simples en bois, souvent fabriquées sur place par des forgerons, des menuisiers locaux, utilisant des animaux qui, justement, durant l'hiver, avaient peu d'autres activités ou moins d'autres activités, donc on pouvait mettre à la batteuse pour réaliser cette opération. Et donc là, pour les paysans qui ne voulaient pas de la batteuse à vapeur, il y avait des raisons très, très claires. Utiliser des batteuses à vapeur, c'était s'en remettre à un combustible cher et lointain qu'il fallait importer, c'était s'en remettre à des spécialistes, à des experts extérieurs, et donc à être privé d'une partie de ce savoir-faire technique, de cette autonomie technique à l'égard des outils et du machinisme. Et en fait, pendant 70 ans, les paysans ont continué ont travaillé avec ces animaux, avec ces techniques simples, contre les bateaux à vapeur. Et il y a eu pendant 50 ans des débats qui montraient qu'en fait, le manège à vapeur était plus rentable, beaucoup plus efficace. Tout dépend évidemment des conditions sociales d'utilisation. Et j'ai encore, enfin, je ne vais pas vous citer les choses, mais dans les années 1880, il y a des spécialistes de l'agronomie qui expliquent que dans les petites fermes, dans une grande partie de l'agriculture française, les batteuses à vapeur sont totalement absurdes, alors que ça fait déjà une génération, 25 ans, que les agronomes et les ingénieurs des mines expliquent qu'il faut utiliser les batteuses à vapeur qui sont beaucoup plus efficaces. Or, pour la plupart des agriculteurs et des paysans, ces machines n'étaient ni plus efficaces, mais étaient au contraire beaucoup plus insatisfaisantes. Donc ce que je veux souligner, c'est que on peut considérer que pour les ingénieurs des mines, cette attitude des paysans était en fait de la routine, de l'archaïsme, du refus de l'innovation et du progrès technique. Pour ces paysans, en réalité, c'était c'était la solution la mieux adaptée. Et la machine à vapeur était une sorte de technologie hors sol, déconnectée de leurs besoins réels et de la situation locale des travailleurs dans les campagnes. Donc il y a ces paysans, il y a une technocritique populaire qui ne se théorise pas, qui ne se dit pas, et qui me paraît fondamentale, et qui doit être prise en compte, et qui est d'une certaine manière de plus en plus difficile par le fait qu'aujourd'hui l'innovation passe par des injonctions, par une accélération du processus, qui fait de ce non-usage quelque chose de plus en plus difficile. Alors bon, j'ai à peine commencé ce que je voulais vous dire, puisque en gros, à partir des années 1860, on rentre dans la grande société industrielle et dans une société marquée par la confiance dans le progrès technique et par un cadrage modernisateur inédit. Or, ça ne veut pas dire que ce qu'on appelle les technocritiques ont disparu. Moi, je crois que les technocritiques resurgissent de façon périodique lorsqu'il y a à la fois la conjonction entre un changement a priori rapide du système technique, des objets techniques mis sur le marché pour les populations, un contexte de crise sociale et politique, et un contexte marqué par la frénésie des discours sur l'innovation hors sol, faisant des promesses débridées et dont les gens ont bien conscience que ces promesses sont totalement absurdes. Donc il y a eu un moment technocritique assez fort à la fin du 19e siècle, lorsque le capitalisme se transforme avec l'arrivée, l'accélération de la chimie, l'arrivée de toute une série de nouveaux objets fétiches comme l'automobile, etc. Vous avez un nouveau moment technocritique très fort dans les années 1830, avec la généralisation du taylorisme, du productivisme, de nouveaux systèmes techniques qui accélère le productivisme dans le contexte de grande crise du capitalisme. Vous avez une technocritique très forte dans les années 70, et c'est d'ailleurs dans les années 70 que le mot technocritique va être forgé par un ingénieur, Jean-Pierre Dupuis, quelle définition il donnait du mot technocritique ? Il considérait que la technocritique, c'était l'idée que les techniques ne sont pas neutres, les techniques ne sont pas juste des choses dont on dispose et dont on peut faire un usage positif ou négatif selon les organisations sociales, selon ceux qui les manient, mais la technique, les techniques contiennent à l'intérieur d'elles-mêmes, dans leur fonctionnement, dans leur design, dans leur rapport au monde, dans leur dimension matérielle, des formes de rapport au monde, des formes de domination des autres et de la Terre. Et alors, chacun de ces moments technocritiques est suivi, j'insiste pas là-dessus, par un moment de recadrage modernisateur. Et les deux guerres mondiales ont à cet égard joué un rôle fondamental dans la levée d'un certain nombre d'interrogations, de doutes qui pouvaient exister et qui sont mises de côté parce que la guerre mondiale, c'est des moments à la fois d'accélération de l'innovation, de confiance dans le pouvoir de ces innovations, de
transformer la société et de gagner la guerre. Et donc les urgences imposent de laisser de côté ou de mettre de côté ces interrogations qui avaient pu surgir. De même, dans le moment technocritique très fort des années 70, alors la particularité des années 70, c'est que sans doute plus qu'à aucun autre moment, la critique sociale classique qui est née au 19e siècle va être associée à une critique écologiste. Et je dirais la critique écologiste, sa particularité, c'est d'introduire cette dimension matérielle. Quelles sont quelle énergie a besoin telle ou telle technique, quels sont les déchets qu'elle produit, quel est son impact matériel et physique sur le monde. Or, dans les années 80-90, ce moment intensément technocritique va être suivi par un nouveau cadrage modernisateur qui ne prend pas la forme d'une guerre et d'une mobilisation au service de la défense, mais qui va prendre la forme de nouvelles utopies technologiques, de nouveaux récits enthousiastes. La mondialisation couplée à l'informatique qui sont censés faire naître un nouveau monde technique qui résoudra les problèmes du monde technique précédent qui était celui des vieilles technologies industrielles. Or, le problème, ce que montrent les statistiques et les chiffres aussi de Jean-Baptiste, c'est que précisément depuis les années 70-80, ce nouveau monde technique qui était censé résoudre les problèmes introduits par l'ancien monde technique, ce nouveau monde technique a plutôt tendance à accélérer les dynamiques matériel, l'extraction de matière, les rejets polluants et toxiques, même si par unité ou par type de technique, il peut y avoir une diminution des rejets, des quantités de pollution émises. Avec l'effet rebond, la quantité massive d'objets mis sur le marché, la quantité globale explose. Et on est, je crois, aujourd'hui dans ce moment, de bascule où il a existé, où on est dedans, je ne sais pas, un moment technocritique, un nouveau moment technocritique qui est né du fait que ces promesses des années 80-90 de la mondialisation et de l'informatisation heureuse se sont effondrées, leurs contradictions internes et leurs aberrations apparaissent de plus en plus nettement. Et donc on est dans un moment technocritique qui prend une forme évidemment très éclatée. Vous avez d'un côté la critique écologiste des impacts environnementaux négatifs de tel ou tel objet, vous avez de l'autre la critique politique mettant en cause les atteintes à la liberté, notamment du fait du nouveau monde numérique, vous avez la critique sociale qui s'articule à tout ce débat sur la robotisation avec une multitude de rapports souvent contradictoires qui annoncent ou pas la disparition d'emplois. Et ces différents types de critiques évidemment ont du mal à s'agencer, voire parfois s'opposent avec la critique sociale qui est opposée à la critique écologique. Or tout l'enjeu, mais ça sera la discussion la plus intéressante de ce soir, tout l'enjeu va être évidemment de mettre en cohérence, de donner du sens à ces différentes critiques pour, je pense, politiser les objets techniques. Politiser les objets techniques, c'est-à-dire penser leurs impacts sociaux en même temps que leurs impacts écologiques, et les deux doivent être pensés de façon dialectique et ensemble. Et peut-être qu'on est aujourd'hui, c'est un anthropologue suédois, Alf Hornborg, qui propose ça, on est moins dans l'anthropocène aujourd'hui que dans la technocène. C'est lui qui propose, donc il y a eu plein de propositions pour dépasser les apories de la notion d'anthropocène. On a parlé de capitalocène. Lui, il propose de parler de technocène, puisque le cœur de le problème de, alors c'est pas la technique en général, c'est les technologies, certaines technologies de l'âge industriel qui ont comme impact de reposer sur toujours plus de flux d'énergie et de matière, de toujours plus remettre en cause les organisations sociales et d'accentuer les inégalités. Et c'est bien la technique, enfin les techniques, ou en tout cas la technologie industrielle qui est articulée à un système capitaliste, une confiance fondamentale dans le marché et dans sa capacité à résoudre tous les problèmes. C'est bien cette technique-là qui fondamentalement constitue le problème et le cœur, de la critique qu'on doit porter, ici. Voilà. Merci pour votre attention. Merci François pour ce voyage dans le monde technocritique et ses enseignements qu'on peut en tirer pour l'époque que nous traversons. C'était la commande. Oui, exactement. Oui. Et en 20 minutes. Oui, exactement. Et en 20 minutes. Est-ce que tu as le contrat est parfaitement respecté? Bravo. Ouais. Merci François. Sans plus attendre, Alain Gras, vous êtes sociologue et anthropologue des techniques, professeur émérite à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels, alors j'en citerai trois. C'est peut-être réducteur, mais en tout cas, ils sont fortement utiles pour le propos d'aujourd'hui. Fragilité de la puissance, se libérer de l'emprise technologique. Vous avez également écrit Le choix du feu aux origines de la crise climatique. Et vous avez également rédigé un ouvrage que j'ai beaucoup apprécié qui s'appelle « Les imaginaires de l'innovation technique ».
imaginaire de l'innovation technique qui est l'objet de la commande de cet après-midi. C'est à vous. Merci. Moi aussi, j'en ai marre de toujours parler de la même chose. Donc, je voudrais m'amuser à faire... Oui. Alors, je vais parler de la thermo-industrie telle qu'elle est aujourd'hui, d'accord, et en particulier de l'électrique, de ce que j'appelle le camouflage électrique. Je voudrais d'abord un peu m'amuser à balayer un peu le chemin de la technique et du progrès technique en parlant de quelques éléments clés du système de pensée. De la pensée technique. Et justement, d'abord, commencer par la technique. Alors, vous avez critiqué la technique, on critique la technique, on est tous là, écolo-critique, technocritique, etc. Mais la technique, c'est d'abord une relation de l'homme avec son milieu. Je ne dis pas avec la nature seulement, mais avec son milieu. C'est d'abord une relation de communication. Si vous êtes à la campagne et que vous pêchez, vous voyez la terre, vous voyez les insectes, vous voyez les vers, vous voyez quelque chose qui vous parle. Donc la technique, elle n'est pas à rejeter en soi. En français, nous n'avons que la technique, pratiquement. La technologie, on l'utilise très peu ou dans un sens particulier. Les anglo-saxons ont une technique qui veut vraiment parler de l'objet, de la manière dont on l'utilise, et la technologie qui est en fait la technique ici. Et la technologie, oui, mais dans technologie, il y a un logos. Le logos, c'est le logos de la science. C'est la science qui a perverti la technique. La technique était au sens que sa vision, son imaginaire a changé à travers les siècles. Mais si l'on repart du début, c'est d'abord cette relation. Qu'est-ce que c'est que l'hominisation? C'est la bipédie et l'outil. Ce sont les deux. C'est donc dans l'essence de l'humanité, il y a bien la technique. Donc la technique n'est pas à rejeter en soi. C'est la technique telle qu'elle est devenue et telle qu'elle est devenue avec le capitalisme, mais il faut le dire aussi avec la science. La prédation technologique, ce n'est pas la même chose que l'usage de la technique. Voilà. Donc, il y a une rupture qui se fait peut-être à l'anthropocène. On peut discuter si c'est avant ou après, mais je pense que là, avec la machine à vapeur, en tout cas, il y a une rupture dans le sens de la technique. Deuxième chose, l'énergie. L'énergie, c'est un petit peu comme le temps pour Saint-Augustin. Hein. Si on ne me demande pas ce qu'est le temps, je le sais. Si on me le demande, je ne sais pas. Et si je vous demandais, je m'amuse à le faire de temps en temps maintenant avec les étudiants, enfin, oui, avec les étudiants quand je suis en situation de supériorité, je leur dis, bon alors, qu'est-ce que c'est que l'énergie? Alors là, il n'y a rien. Bon, l'énergie, en fait, c'est devenu l'expression d'un travail au fur et à mesure quand on a... Ça a d'abord été le travail qui a été formalisé, puis ensuite l'énergie, puis ensuite avec Sadi Carnot et Boltzmann, etc. Bon, mais ça, c'est une chose. Ça, c'est l'énergie telle qu'elle se manifeste scientifiquement. Mais sinon, l'énergie qui nous permet de vivre, elle vient de la photosynthèse, tout simplement. Elle vient du dieu soleil. C'est tout. À travers la plante, à travers les végétaux, à travers les animaux qui bouffent les plantes, eh bien, nous vivons. C'est ce qu'on appelle des collecteurs. Nous sommes tous des collecteurs d'énergie. Et les pauvres collecteurs d'énergie, les arbres qui avaient fait leur temps, qui sont tombés, enfin qui ont été recouverts de sédiments et d'autres choses pendant des siècles, jusqu'à une très grande profondeur, on les sort de leur tombe et on leur dit maintenant, hop, vous allez vivre à nouveau et vous allez nous apporter quelque chose. Qu'est-ce qu'ils font? Ils brûlent et ils disparaissent à nouveau, mais ils nous laissent des traces. Et nous laisse des traces sur la terre, avec les scories, nous laisse des traces dans le ciel. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui est en rapport avec le fondement même de l'existence. C'est le soleil, tout ça c'est le soleil. Et je pense que symboliquement, on n'y pense pas assez. Donc voilà, nous sommes des collecteurs fossiles et nous sommes des collecteurs du fossile. Nous sommes des collecteurs fossiles parce que nous avons une énergie en nous. Quand nous mangeons des végétaux, quand nous mangeons de la viande, si on n'est pas vegan, on assimile quelque chose. La vache ou le bœuf, il a mangé de l'herbe qu'elle avait collectée la photosynthèse par photosynthèse, l'énergie du soleil, etc. Donc en fait, c'est toute une chaîne dans laquelle nous sommes. Et ça, je pense qu'on l'oublie souvent comme si l'énergie était quelque chose qui était extérieur à nous. Et je pense donc qu'il faut essayer de penser la thermo-industrie à partir de cette expression de l'énergie qui est liée, disons, à cette fascination qu'on a pour l'énergie telle qu'on la décrit scientifiquement,
avec l'arrivée de la machine. Parce que la machine, elle donne... En fait, elle travaille à notre... Enfin, elle travaille à notre place, bien sûr. Mais elle, d'une part, elle travaille à notre place, et d'autre part, nous, elle nous met, disons, au niveau de notre collecteur, qui est l'animal. Hannah Arendt dit, nous sommes devenus des animaux laborants, hein, des animaux qui travaillent. C'est tout. Parce que la machine travaille à notre place. Donc, à ce moment-là, l'énergie change. De sens. Elle change de sens, elle devient la technologie. Cette technique avec un logos, celui du capitalisme et de la science. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est né un imaginaire qui est nouveau et qui est celui... Enfin, à ce moment-là, est né un imaginaire. Il accompagne la naissance d'un imaginaire qui est celui du progrès. Le progrès, il n'y a rien de mot plus vulgaire que celui-là, plus imbécile. C'est vraiment une crétinerie absolue. Il y a un des premiers prophètes du progrès, ce fut Fontenelle. Hein, la croissance, c'est pas encore le PIB, la croissance de la sagesse ira jusqu'à la fin du monde. Et puis de la même façon, Condorcet aussi, qui dit que la ruée vers le progrès ne connaît d'autre fin dans le temps que la durée du globe où la nature nous a jetés. Voilà. Bon, mais qu'est-ce que c'est que cela ? Introduire un nouveau concept dans l'histoire qu'on a appelé historicisme, hein, le sens de l'histoire, et aussi forger une conception du temps avant même la modernité scientifique, un temps qui est pratiquement newtonien, mais qui est orienté en plus. Newton, il n'avait pas encore orienté le temps. Il y a un temps qui est là, mesurable, substantiel, orienté. Qui est-ce qui... Alors, je ne reviens pas à Saint-Augustin, ce serait trop long si je lisais le chapitre 24 des Confessions, mais qu'est-ce que le temps ? Est-ce qu'on ne peut pas le savoir ? Alors, comment savoir ce qu'est le progrès ? Voilà, donc il y a ici quelque chose qui est de l'ordre de la métaphysique nouvelle que nous impose la vision scientifique du monde et la raison. La raison, le pauvre Condorcet qui, avec les sectateurs de la raison, va être assassiné par eux. Hein. Donc il y a quelque chose, si vous voulez, qui est symbolique. Je dis symbolique parce que de Condorcet jusqu'à l'après-guerre, moi je suis de l'après-guerre, là, juste, et j'entendais toujours, mais alors là, vraiment, on ne le dit plus aujourd'hui, on n'arrête pas le progrès. Il n'y avait qu'un mot. On n'arrête pas le progrès. Pendant les 30 Glorieuses dont Jean-Baptiste, qu'avec Jean-Baptiste a illustré de sa critique, ce mot-là revenait tout le temps. On n'arrête pas le progrès. Donc voilà, il y a quelque chose d'une simplicité, d'une vulgarité, d'une absence de pensée dans la notion de progrès qui me stupéfie. Ça me stupéfie qu'il y ait des partis qui se disent encore progressistes et d'autres conservateurs par rapport aux autres. Voilà. Bon. La machine à vapeur, début de l'Anthropocène. Non, je ne suis pas sûr, puisque la machine à vapeur, c'était des pompes. Là, mes amis historiens le savent beaucoup mieux que moi. Je rappelle simplement que, à part l'Albion Mill, une usine qui a marché pendant un ou deux ans à Londres, c'était des pompes, hein, c'est tout. La machine, on vient de vous le dire, s'est mis peu à peu en route pendant un demi-siècle. Et vraiment, elle l'emporte que dans la deuxième partie du demi-siècle, on vient de vous le dire. Donc voilà, cette suprématie de la machine fossile va prendre un certain temps. Elle va prendre un certain temps, elle va rencontrer donc des contestations sociales, des contestations idéologiques, on l'a vu avec le petit Fabliau de François. Il y a donc un ensemble de connaissances qui s'opposent à la science. Mais en s'opposant à la science... Elle s'oppose au progrès tel qu'il est défini par la raison. Donc finalement, elle perdra. Et nous sommes là. Alors, donc la thermo-industrie, c'est le fossile. Le fossile, il est embêtant parce que c'est le charbon, il y a des scories. On ne parle pas encore de gaz carbonique, hein, mais il y a des scories, ça laisse des traces partout. Le bougna, quand il passe, il salit le sol et tout ça. Bon, donc là, alors qu'est-ce qu'on fait ? On va dire... Je simplifie, et je n'ai pas le temps. On va dire, on va remplacer par le pétrole. Le pétrole, ça a plus d'avantages. La guerre de 14, évidemment, a été un moment très important. Il a des avantages, on peut le transporter, il ne sent pas mauvais, il ne laisse pas de traces. Et puis, ses effets toxiques sont invisibles, hein, on le saura bien plus tard. Donc, le pétrole, ça camoufle, mais c'est du fossile, mais ça camoufle. Et puis après, maintenant, nous sommes dans l'absolue modernité, le gaz naturel.
Oh, le gaz naturel, c'est naturel, n'est-ce pas? C'est vert. Vous voyez les camions qui sont avec le vert, hein, c'est naturel. Il n'est pas plus naturel que le charbon ou que le pétrole. Oui, d'accord, il pollue 40% de moins que le charbon. Mais en fait, il pollue encore 60%. Vous voyez, donc, il n'y a rien de naturel là-dedans. Alors, le dernier camouflage en date, c'est l'électricité. Alors ça, c'est pas mal, l'électricité. L'électricité, on nous dit l'énergie électrique, mais il n'y a pas d'énergie dans l'électricité. Là aussi, je ne vais pas m'amuser à vous demander qu'est-ce que c'est que l'électricité. Je coince toujours les gens. L'électricité, ce sont des électrons, etc. Vous savez, c'est des charges, des ions, c'est-à-dire des atomes qui sont chargés en électrons supplémentaires et qui sont donc négatifs parce qu'ils ont des électrons supplémentaires. Ce sont des électrons supplémentaires qui s'en vont, là, qui naviguent dans les lignes à la vitesse de 300 km à l'heure. Pas à l'heure. Un second. Ces électrons-là, ils sont fabriqués comment? Ils sont fabriqués par de l'énergie fossile. Ils sont fabriqués par de l'énergie fossile. Le générateur, c'est un rotor qui tourne autour d'un stator, celui qui prend les électrons, qui envoie les électrons dans les lignes et qui est en cuivre. Le rotor aimanté, il tourne autour. Tout ça, c'est un système qui est fondamentalement fossile. Il n'y a que ça, il n'y a que cette énergie-là. Alors, vous me direz, il y a les barrages. Ok, d'accord, il y a les barrages. Mais 80% de l'énergie électrique est fournie par le fossile. Si on met l'uranium dedans, hein, si on met l'atome. Donc vous avez une énergie qui est propre dans la manière dont on l'utilise, mais qui n'est pas du tout à son origine. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, on nous fait valoir que cette énergie électrique va remplacer l'autre énergie, alors qu'elle est fournie par elle, et qu'elle est totalement saine, claire, propre. C'est évidemment une mystification absolue. C'est une mystification absolue. Et cette manière dont on nous dit que les énergies alternatives et renouvelables vont la remplacer est aussi un leurre qu'on nous fait suivre. Parce que nous avons un rapport avec Dame Nature qui est de ne pas la respecter, de ne pas suivre ses éclats, de ne pas suivre ses fantaisies. Nous ne sommes pas comme les paysans du 19e siècle ou du 18e, hein, à dire ben aujourd'hui on ne peut pas, les moulins ne tournent pas, tant pis, on ne moudra pas le grain. Non, il faut que notre congélateur tourne. Et les énergies renouvelables sont toutes liées justement à Dame Nature. Les éoliennes, elles ne tournent pas comme les moulins avant, hein, auparavant. Donc il y a tout un ensemble de conditions qui font que nous ne pouvons pas supporter cette temporalité discontinue des énergies renouvelables. Par conséquent, elles sont condamnées à rester marginales. Si la croissance continue comme on la connaît, elles sont condamnées à rester marginales. Sauf si j'ai combien de temps encore ? 5 bonnes minutes. Bon. Sauf si on arrive à... Alors attendez, vous pouvez mettre la première diapo. Elle y est. Ah bon, d'accord. Alors voilà, le capitalisme, il s'est fondé là-dessus, sur la substance fossile, parce que c'est un truc que je fais depuis longtemps, hein, mais là, je suis obligé de le dire, parce que vraiment, c'est basique. La substance qui contient l'énergie, le charbon, par exemple, on la retient, on le stocke. C'est-à-dire qu'on met l'usine à la campagne parce que les travailleurs qui sont là sont moins bien payés, ils n'ont pas d'argent, ils sont des pauvres paysans et tout ça. Ou alors, on les fait venir à la ville en disant, écoutez, vous allez gagner à la ville et vous travaillez dans les usines. Où est stockée l'énergie? Donc, avec l'énergie, on peut faire ce qu'on veut avec le travail et la machine. Et puis, donc on la stocke et on la transfère. Alors, le problème de l'électricité, c'est qu'il y a deux éléments qui sont, mais pas le troisième. On ne peut pas la stocker, l'électricité. On ne peut pas la stocker, sauf dans les batteries. Mais les batteries, c'est un vieux truc. C'est la pile Volta de 1805. Depuis 1805 jusqu'à aujourd'hui, c'est de l'électrochimie qui pratiquement n'a pas changé depuis Volta. J'exagère, mais c'est pratiquement ça. On nous bassine, par exemple, avec la batterie lithium-ion, mais des ions, c'est la base de la batterie. Il n'y a pas plus d'ions qu'ailleurs dans la batterie lithium-ion. Hein, s'il n'y a pas d'ion, il n'y a pas de batterie.
Donc, il n'y a rien du tout de nouveau dans la batterie lithium-ion. Il y a du lithium comme électrolyte, c'est tout. Bon, voilà. Donc, voilà, il y a la batterie, et la batterie, elle n'ira jamais loin. Elle n'ira jamais loin, et elle consomme énormément de terres rares et de métaux rares. Et puis, il y a l'autre, l'invention des chutes du Niagara et de Tesla, avec le courant alternatif, la haute tension, 1888 à peu près. Hein. Voilà. Donc, la haute tension. Le système dans lequel nous sommes, celui-là là, qu'on a aujourd'hui, là derrière, hein, c'est le système électrique, le macro-système, un système gigantesque parce qu'il couvre toute l'Europe, où on se balance du courant les uns les autres quand on en a besoin. Parce qu'on ne mange pas la même heure en Italie, en Espagne, en Allemagne, et tout ça. Et parce que les ouvriers ne travaillent pas tout à fait aux mêmes heures, etc. Donc, il y a toute une compensation qui se fait à travers le système électrique. Mais le système électrique, c'est une façon de faire circuler sans cesse l'électricité. Elle tourne. N'est-ce pas ? Donc, voilà. Donc, il y a un déficit ontologique, je dirais, hein, post-philosophe. Un déficit fondamental dans l'électricité, c'est qu'on ne peut pas la garder. Les électrons sont libres et ils tirent la référence quand ils en ont envie. Voilà, donc c'est ça. Alors maintenant, encore deux secondes, le deuxième avantage de l'électricité, c'est qu'elle délocalise la production, la pollution, pardon. Je viens de vous dire pourquoi, hein, parce que le générateur, il est loin. L'usine atomique, elle est loin. Enfin, elle est loin, relativement loin. Si elle explose, elle ne sera pas loin. Hein. Enfin, bon. Pour l'instant, en tout cas, on ne la voit pas. Donc, il y a cette délocalisation qui est fondamentale aussi dans la perception de l'électricité comme un fait positif. C'est très, très important, cette délocalisation. Maintenant, j'en viens au dernier point. C'est la Chine. La Chine, qu'on a évoquée. La Chine, c'est un acteur majeur de la mystification. C'est un acteur majeur. Le 73% de son électricité, en gros, parce qu'en fait, les chiffres chinois ne sont pas fiables. L'Agence internationale de l'énergie les garde. Bon, okay. 73% de l'électricité vient du charbon. Et alors, ces champions de l'électricité, des voitures vertes, de numérique, etc., eh bien, ils font tout rouler leurs voitures avec le charbon qui vient du Xinjiang, à 3000 km pour Pékin, un peu moins pour Shanghai, pour Canton encore moins, mais des lignes, elles vont jusqu'à 3200 km, avec des tensions, avec une tension de 1 100 000 volts, n'est-ce pas ? Cette tension, il y a évidemment beaucoup, beaucoup de pertes. Tout ça, ça fonctionne au charbon. Alors évidemment, Shanghai redevient relativement propre, mais pour la planète, c'est la même chose et c'est simplement bien pire. Donc il n'y a aucun recul, il n'y a aucune tentative de... On vient de le dire avant moi, hein, il n'y a aucune tentative réelle pour la transition. La transition, c'est un mot vide de sens. J'insiste là-dessus, c'est un mot vide de sens et on va continuer à nous le fournir. Il faut se révolter contre ce terme-là et utiliser, je ne sais pas quel mot, mais en tout cas utiliser notre conscience pour dire non, nous n'en voulons pas. C'est autre chose. La situation actuelle est dramatique sur un autre plan parce que les Chinois, j'aurais eu beaucoup de choses à dire, mais donc je simplifie énormément, les Chinois exportent leur modèle. Ils exportent d'une manière théorique, symbolique, en Inde. L'Inde a beaucoup de charbon aussi. Et donc, elle se convertit aussi à la production électrique par le charbon. Et aussi, leur système habituel, c'est d'aller prêter de l'argent un peu partout pour s'acheter des aides, des assistances, on appelle ça corruption. Hein, et dans toute l'Afrique, on construit maintenant des usines à charbon. Pour l'électricité. Et la modernisation africaine, elle se fait avec des usines à charbon. L'Égypte, pour la première fois, l'Égypte a deux centrales thermiques en construction, à base de charbon, plus celles à base de gaz naturel qui sont fournies par les Émirats. Pour vous donner une idée, le barrage d'Assouan qui a assumé... Alors là, c'est lié à quoi ? C'est lié à des faits à des faits techniques réels, comme à des faits liés
à l'évolution de la consommation de notre société, donc à des faits sociaux. En 1985, le barrage d'Assouan assurait 75% de la consommation électrique de l'Égypte. Aujourd'hui, c'est 7%. Là-dedans, il y a bien sûr des problèmes du barrage d'Assouan. Il y a l'évaporation du lac Nasser qui est passé de 30 à 40%. Il y a le Nil, en plus, maintenant, il va y avoir le Nil Bleu qui aura un barrage. Mais ce n'est pas encore le cas. Donc, ces 7%, ils sont là. Ils sont là et c'est une réalité. Donc, il y a un ensemble de conditions qui font que l'électricité, par des moyens naturels, ne peut plus suffire, sauf dans des cas particuliers. La Norvège, la Suède, relativement, et le Canada, le Québec en particulier. Comment ? Danemark, non. Pour l'hydroélectrique, parce qu'ils le prennent de la Norvège. L'éolien. Oui, l'éolien. Alors ça, c'est l'éolien, oui. Bien sûr, ça, c'est une vieille histoire, les éoliens. Ils ont été parmi les premiers à faire de l'éolien. Et de l'éolien en mer, surtout offshore. Oui, donc, il y a des capacités, évidemment, dans les énergies alternatives, mais qui sont, à mon avis, seront toujours simplement des aides à l'électricité majeure qui sera toujours fossile. Donc, alors, dans les pays... Donc, ce modèle chinois, il est extrêmement dangereux parce que qu'en même temps, il s'accompagne d'un discours sur l'électricité qui est celui classique que nous connaissons qui accompagne celui qui a toujours été le discours de publicitaire, celui que faisait Edison quand il disait regardez vos tapisseries, elles ne sont pas gênées par la lumière parce que ce n'est pas du gaz, c'est de l'électricité qui, elle, ne pollue pas vos jolis tableaux, vos jolies passeries à Pearl Street, de la grande bourgeoisie new-yorkaise. Bon, voilà, nous sommes toujours dans cette situation-là. Et simplement que cette situation, elle est ravivée par la transition, par la notion de transition électrique et par la manière dont les Chinois jouent là-dessus, jouent sur cette vieille image de l'électricité, cette ancienne image qui se perpétue, d'un élément propre et sain. Voilà, donc je crois que l'électricité n'est pas un progrès. Voilà, merci. Merci beaucoup, Alain. Donc le temps tourne, je vais passer la parole cette fois à Paul Jorion. Paul, vous êtes socio-anthropologue et spécialiste bien connu et reconnu du monde de l'économie et de la finance. Vous êtes l'auteur également de nombreux ouvrages dont « Se débarrasser du capitalisme est une question de survie » qui a d'ailleurs fait... Un entretien avec vous est paru sur le site de Science Critique qui porte ce titre. Et vous avez écrit également « Le dernier qui s'en va éteint la lumière ». Alors, je vous ai demandé de parler des effets et des méfaits du techno-capitalisme. Alors j'espère que vous n'en avez pas marre de parler du capitalisme et du libéralisme. Voilà. En tout cas, la parole est à vous pour les 20 minutes avant la pause et avant, bien sûr, votre séance, la traditionnelle séance de questions-réponses avec la salle. Merci. Merci. Et vous m'avez coupé l'arbre sous le pied. J'allais dire comme les autres, je vais vous parler de choses qui ne m'ennuient pas parce que je les répète tout le temps. Non, si je vais dire autre chose, c'est parce que j'ai ce sentiment de l'urgence qu'il faut aller vite et que d'un exposé à l'autre, il faut essayer d'avoir fait un progrès, un mot que j'adore. C'est-à-dire qu'il faut essentiellement, il faut que nous épurions de plus en plus la représentation de dans quoi nous sommes plongés, parce que le temps manque. Et je ne plaisante pas en disant qu'entre deux de mes exposés, j'ai effectivement ce sentiment qu'il faut aller de plus en plus vite parce qu'on n'avance pas dans la solution des problèmes qui peuvent conduire à notre extinction. Alors, ce que je vais faire... c'est que je vais m'intéresser à cette question de qu'est-ce que la technologie par rapport à nous, qu'est-ce que nous avons fait en la produisant et qu'est-ce qu'elle fait sur nous, et qu'est-ce que aussi, et ça c'est peut-être, je dirais, un peu différent de ce qu'on fait d'habitude, qu'est-ce que c'est qui nous pousse à produire un discours critique sur la technologie et qu'est-ce que ce discours fait par rapport à nous. Et par rapport à ça, je voudrais le situer dans un cadre qui est le cadre de la méconnaissance. J'ai une formation de psychanalyste aussi. Et bien entendu, ce qui diffère dans la manière
de quelqu'un qui a une formation psychanalytique par rapport à tous les discours que j'entends tenir sur la technologie, c'est que l'expérience de la psychanalyse et de la thérapie qui y est associée, c'est qu'il y a une méconnaissance de nous-mêmes par rapport à qui nous sommes et qu'effectivement, il y a des effets qu'on appelle d'inconscient, qu'on pourrait dire des effets du corps par rapport au raisonnement de type rationnel que nous tenons de manière grâce à la langue précisément. Et cette méconnaissance de qui nous sommes par rapport à ce que nous sommes, qui nous fait devoir corriger en permanence ce que nous croyons faire. Je pense à ce monsieur qui, à la suite d'un débat télévisé, me dit « Est-ce que vous êtes comme moi et que vous ne reconnaissez jamais ce que vous dites et vous avez le sentiment que vous auriez toujours dû dire autre chose ?» J'ai pu lui dire que, heureusement, je n'avais pas ce problème-là personnellement, mais il était représentatif de qui nous sommes. Au niveau de l'espèce, il y a cette notion qui est semblable à celle de la méconnaissance de l'individu du sujet par rapport à lui-même. C'est ce que Hegel appelait la ruse de la raison, c'est-à-dire qu'une époque, il y a une ruse de la raison, l'espèce fait autre chose que ce dont elle a conscience au moment même. Il y a une histoire qu'il appelle, lui, l'esprit, notion apparentée au Saint-Esprit. Il y a l'esprit, il y a le fait que nous avançons vers quelque chose, mais que c'est uniquement a posteriori que nous pouvons constater ce que nous avons fait effectivement. Il introduit à ce moment-là une notion, je dirais, équivalente pour l'espèce à celle de l'anamnèse, de la cure psychanalytique, de comprendre ce que c'est que nous faisons. Et il introduit cette notion de comprendre les temps qui sont les nôtres. Les véritables sujets de l'histoire, dit-il, sont les personnes qui ont compris l'époque dans laquelle ils étaient, par opposition à la plupart de leurs concitoyens qui, eux, interprétaient à partir du passé, d'un passé dépassé, ce que l'espèce faisait au moment même. Et vous le savez, c'est cette réflexion dans la raison dans l'histoire, qui fait partie de sa philosophie de l'histoire, sur les grands hommes. Alors, c'est quoi les grands hommes? Il aurait pu dire les grands êtres humains, mais il donne trois exemples. Vous le savez, c'est Alexandre, César et Napoléon. Et pourquoi se concentre-t-il sur ces trois personnages? Parce que, dit-il, ce sont des personnes qui ont compris l'époque dans laquelle ils étaient en modifiant de manière dramatique le cadre juridique dans lequel ils étaient. Et quand il parle de Napoléon, ce n'est pas le Napoléon des grandes batailles, c'est le Napoléon qui invente le code Napoléon, qui est un cliché de l'époque dans laquelle on est, au point que, voilà, c'est encore dans ce cadre-là que nous fonctionnons. Il y a un aspect de visionnaire qu'il attribue à Alexandre, et à César et à Napoléon. Et je crois que là, ce que nous devons faire, c'est un processus, et c'est urgent de passer par un processus de la même manière que la compréhension de qui on est, et c'est, vous savez, c'est déjà la devise qui est inscrite au fronton de l'Académie en Grèce antique, « Connais-toi toi-même », que notre espèce se connaisse elle-même. Et pour le faire, il faut un regard de type anthropologique. Et plus que ça, je dirais, il faut un regard de type un anthropologue qui viendrait d'une autre galaxie, d'une autre planète, et qui nous observerait un peu comme les persans de Montesquieu, avec un regard autre. Vous savez, quand un anthropologue ou une anthropologue va dans une autre population, comment se passe son rapport sur les autres en disant ce sont des gens qui respirent, donc ils doivent avoir accès à de l'oxygène, il y a des gaz qui ne sont pas toxiques, ils doivent avoir accès à de l'eau courante qui soit potable, à des aliments, on l'a dit tout à l'heure, des aliments assimilables. Aucun traité d'anthropologie ne commence par ça, parce que c'est un trait commun entre l'anthropologue et les gens qui sont étudiés par l'anthropologue. Mais nous devons faire ça. Nous devons poser cette question-là. On a parlé tout à l'heure de la photosynthèse. Il y a une notion qui, vous allez voir, il y a un tout petit détour, par l'anthropologie. J'ai eu un collègue qui était de la génération précédente, qui est un certain monsieur Jean Pouillon,
dont vous connaissez peut-être le nom. Il est surtout connu comme pour avoir été pendant longtemps le secrétaire de Jean-Paul Sartre, dont il avait été l'élève au lycée du Havre, et ensuite d'avoir été le secrétaire de Lévi-Strauss et d'avoir produit un certain nombre de revues. Il avait fait en amateur, il ne m'en voudra pas, il est mort, mais il ne m'en voudrait pas de le dire, il avait fait en amateur du travail d'anthropologue. Il était revenu avec une constatation qui consternait ses collègues, mais qui me paraît très très profonde. Il dit « les civilisations, toutes les cultures sont dans l'approximatif. Il est étonnant qu'une société ait pu survivre, c'est moins le cas maintenant, parce que nous voyons la disparition des dernières sociétés traditionnelles, il est extraordinaire qu'une société puisse vivre en comprenant si peu du monde autour d'elle. » Alors, avec la science, maintenant, nous avons le sentiment de connaître beaucoup de choses. Ça manque encore des choses à comprendre. Mais c'est vrai, quand je tends notre regard en arrière sur certains types de sociétés, que ces sociétés parvenaient à fonctionner avec une compréhension très approximative du monde autour d'elles. D'une certaine manière, et là aussi, c'est un regard, je dirais, un petit peu inattendu, s'il y a une telle biodiversité autour de nous, qui est en train, nous savons, de disparaître très, très rapidement, mais s'il a pu être là, c'est en grande partie aussi parce que les solutions aux problèmes de vivre et de survivre étaient multiples. Il y a une multiplicité de manières de développer la vie dans le monde. Nous en voyons maintenant les limites, puisque nous entraînons dans leur perte les espèces autour de nous. Mais là aussi, il doit y avoir une certaine approximation qui, comme pour les cultures humaines, comme le disait Pouillon, que beaucoup de solutions sont possibles, beaucoup d'approches sont possibles. Dans cette approximation, nous savons aussi un certain nombre de choses par rapport à nous-mêmes. Par exemple, que l'œil humain, l'œil du mammifère qui vient de l'œil du poisson, est un œil très mal conçu par rapport à celui du poulpe. Si j'ai bon souvenir, l'œil du poulpe précède de 55 millions d'années la conception du nôtre, mais qu'il est beaucoup mieux conçu, parce que nous, les vaisseaux sanguins passent devant le nerf optique, et donc doit filtrer d'une certaine manière, pour commencer, la vision de ces petits canaux que nous ne voyons pas, mais ils doivent être filtrés, on doit les enlever, alors que dans l'œil du poulpe, le système sanguin est derrière le nerf optique. Nous sommes habitués à ce genre de choses. Chose fondamentale aussi dans l'approximatif, dans la reproduction de la vie, nous faisons partie, vous et moi, d'une espèce qui, d'une certaine manière, a raté la donne. Elle a besoin de la survie des individus provisoirement pour se perpétuer elle-même. C'est au prix de notre mortalité à nous, d'individus, que l'espèce se perpétue. Et quand on regarde les chiffres, le chiffre qu'on dit pour les mammifères, une espèce de mammifère, en moyenne, vit 2,5 millions d'années à la surface de la Terre. Nous sommes en train de précipiter le processus, bien sûr, pour nous et pour tout notre environnement. Mais là aussi, il y a de l'approximatif. Il y a un raté à l'intérieur du système. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer des individus, et il faut que ces individus soient obnubilés par la reproduction de l'espèce. D'où viennent certains de ces effets de inconscient, de ces certains effets du corps que dénonçait déjà Saint Paul? Mon esprit veut faire une chose et mon corps veut absolument faire autre chose, je suis perdu, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il y ait une référence extérieure, il y a une référence au ciel qui va me dire ce qu'il faut faire pour essayer de concilier cette contradiction entre ma raison essaye de m'imposer au niveau de l'esprit et ce que mon corps a véritablement entend faire. Le péché. Qu'est-ce que c'est le péché? C'est ce qui nous fait dérailler en permanence. On appelle ça, en psychanalyse, bien sûr, les effets de l'inconscient. Nous vivons individuellement, mais notre survie individuelle en tant qu'animal est subordonnée à la survie de l'espèce. Et nous le voyons aussi. Dès que nous dépassons l'âge où nous sommes en train de nous reproduire, le corps autour de nous commence à perdre le fil des affaires et le processus de vieillissement, nous appelons mort naturelle, le fait de mourir de vieillissement. Contre quoi s'insurgent maintenant les transhumanistes qui nous disent « Oui, mais classons simplement ce vieillissement comme une maladie et essayons de résoudre ce problème de cette manière-là. » Notre espèce est mal équipée pour sa survie, à part une seule méthode qu'elle connaît bien, c'est simplement de se reproduire au niveau des enfants. Nous voyons maintenant les personnes qui s'intéressent. Il y a eu ça à toutes les époques. Mais ça devient une question vraiment de civilisation maintenant. Les personnes qui se posent la question, à juste titre, est-ce qu'il faut avoir des enfants pour renverser la perspective et d'aider à la survie de l'espèce en n'ayant pas d'enfants. Pour le reste,
nous avons une innovation par rapport aux autres espèces qui ne se sont jamais posé la question, c'est essayer par la rationalité, essayer par la raison de résoudre le problème de notre survie par un autre moyen que simplement la reproduction. Nous sommes mal équipés. Si nous parvenons par la raison, en nous mettant autour d'une table, à résoudre le problème de notre extinction probable dans le cadre actuel, ce sera une première. Probablement une première dans l'univers, puisque nous n'avons pas de preuves, bien que nous cherchions depuis un moment, de choses de cet ordre-là ailleurs. Donc, il y a ce qu'on appelle un challenge maintenant. Il y a quelque chose que personne n'a eu comme problème avant nous. Qu'est-ce que c'est la technologie ? Pourquoi est-ce que nous avons produit la technologie ? Eh bien, la raison, vous avez fait allusion, nous perdons de l'énergie en permanence, il faut reconstituer ça. Nous sommes des systèmes qui sont en interaction avec leur environnement, qui perdent de l'énergie, qui doivent en récupérer. Nous avons faim, nous avons soif, nous devons respirer, nous devons à tout moment reconstituer ce système. Il y a une perspective qui est introduite par Rousseau et que Derrida développe par la suite, le manque. Nous sommes des créatures qui sont conçues dans le manque. Il y a à tout moment la nécessité pour nous de reconstituer quelque chose pour assurer notre survie en tant qu'individu. Comment est-ce que nous avons réagi à cela ? Comme certaines autres espèces, nous avons commencé à constituer des greniers, mais nous savons que les écureuils font la même chose avec des glands et des noisettes. Ce ne sont pas des grands singes. L'écureuil constitue des réserves. Nous avons constitué des greniers. Pour constituer des greniers, nous avons développé des outils. Ces outils ont été de plus en plus perfectionnés. Nous avons construit des greniers qui allaient être à l'abri, des rongeurs qui pourraient éventuellement venir manger ce qui était là-dedans. Mais là aussi, quand nous inventons des outils, nous savons, les animaux aussi utilisent d'une certaine manière les outils. Le goéland qui laisse tomber de haut une huître sur un caillou parce qu'il sait que ça va la casser. L'oiseau qui prend une aiguille de pin pour aller déloger une chenille qui voit dans une écorce. Ce sont déjà des suppléments, si l'on veut, que ces espèces ont introduit par rapport à ce qu'elles étaient eux-mêmes. Donc, la technique, elle est déjà là. Il y a du manque dans nous. Ce manque, nous essayons de le compléter en permanence. L'oiseau qui utilise une aiguille de pin, il n'a pas le sentiment de faire autre chose que ce qu'il fait d'habitude. Il y a une continuité. Nous avons essayé de résoudre de manière systématique un certain type de problème qui était lié à ce manque. Nous avons constitué des vêtements qui nous permettaient de combattre le froid. Nous avons utilisé le feu pour constituer des feux quand il fait froid la nuit, etc. C'est comme cela que nous avons commencé à l'intérieur de la technologie. Et nous avons pu construire des choses de manière cumulative. Une fois que nous avons le langage, nous ne le perdons pas. Donc, nous pouvons constituer une mémoire. Cette mémoire, elle peut être transmise par oralement. Mais dès que nous inventons l'écriture, nous pouvons éventuellement subir des ruptures de transmission, mais le livre est toujours là. On va pouvoir retrouver ce qui était su avant. C'est plus compliqué quand il s'agit de technique, parce que rien, vous le savez, n'est plus facile à faire que de montrer comment fonctionne quelque chose plutôt que de l'écrire. Le problème des manuels, c'est qu'il faut visualiser ce qui est fait. Les diagrammes ne suffisent toujours pas. Nous passons ainsi de manière insensible à quelque chose qui est le prolongement de nous-mêmes. La difficulté, je crois, et là je prendrai peut-être tout à fait le contre-pied de ce que mon voisin vient de dire, Monsieur Gras, c'est qu'il y a quelque chose là-dedans qui fait que cette notion de quelque chose que nous produisons qui serait artificiel est extrêmement dangereuse. Elle est extrêmement dangereuse parce qu'elle nous enlève des moyens, elle nous restreint. D'où est-ce que ça nous vient ? Ça nous vient de deux sources, de notre antiquité, dans la Genèse, dans la Bible. Dieu crée l'homme à son image, homo imago Dei, et il dit dans la phrase suivante, dans le verset suivant, et toutes les créatures sont subordonnées à ce que fait l'homme. L'ensemble des espèces est mise à sa disposition. Mais il y a cette restriction qui est mise, c'est qu'il faut rester dans les limites de l'homme image de Dieu. Et si ce n'est pas bien compris, il y a une explication un peu plus loin. Il y a une chose qui est très très dangereuse, qui produit une pomme que le serpent va donner à Ève et que Ève va donner à l'homme, c'est la connaissance. La connaissance, c'est très très grave, c'est très dangereux. Tout ce qui est de l'ordre de la connaissance, nous allons mettre du côté de l'artificiel. Et nous avons, venant de la Grèce antique, une autre
autre image qui va aussi nous inhiber, c'est le mythe de Prométhée. Le premier qui invente une grande technique, il est puni pour l'éternité, il est torturé, tourmenté pour l'éternité pour avoir fait ça, pour avoir aidé les hommes à avancer. Voilà le cadre dans lequel notre espèce commence à réfléchir. Quand nous produisons de la technique, maintenant, si on pose la question, cette technique par rapport à la survie même de l'espèce, qu'est-ce qu'elle fait comment concevons-nous cela? La première chose qu'elle fait, elle peut être utilisée, et nous l'avons fait, c'est de la science appliquée essentiellement. Nous avions trouvé par essai et erreur un certain nombre de choses. Ce n'est pas de la science appliquée d'avoir inventé des greniers. On a essayé sur 3 pattes, on a essayé sur 4 pattes, on a vu que ça tenait mieux avec 4 pattes, etc., de faire un grenier. Ça, c'est de l'essai et erreur. La différence historique entre la Chine ancienne et nous dans l'Antiquité et ensuite dans le Moyen-Âge, etc., c'est que la Chine n'invente pas la science appliquée. Nous inventons la science appliquée. Nous commençons à construire des modèles grâce aux mathématiques essentiellement qui nous permettent de produire des choses qui n'ont pas été produites ou qui ne sont pas produisibles, même par l'essai et l'erreur. La bombe atomique, nous n'aurions pas pu la produire par l'essai-erreur. Ça demande des dispositifs extrêmement précis qui ne peuvent être que dérivés d'une représentation extrêmement compliquée, complexe de la réalité. De toute manière, si on avait pu le faire, on serait mort longtemps avant à faire des essais-erreurs sur des processus de type atomique. C'est une différence, c'est quelque chose que nous avons ajouté par rapport à ce qui était là. Qu'est-ce que ça nous a permis de faire? Ça nous a permis d'étendre ce qu'on appelle la capacité de charge d'une espèce par rapport à son environnement. Qu'est-ce que c'est la capacité de charge? C'est la capacité d'un environnement à soutenir, à supporter la présence d'une espèce. C'est une notion générale qui s'applique aussi bien aux plantes qu'aux animaux. Il ne faut pas qu'une espèce dépasse la capacité de son environnement à la soutenir, à la supporter. Quand nous disons que nous utilisons 1,6 planètes par année, et que c'est le 1er août, je ne sais quoi, que nous avons atteint la limite à l'intérieur de notre cadre, nous sommes en train de dire, de cette manière figurée, que nous dépassons la capacité de charge de notre espèce. Nous sommes en train de détruire certains types de cycles naturels. Le phosphore se trouvait, il y a 200 ans, essentiellement dans les terres. Il se trouve essentiellement maintenant au fond des océans. Pourquoi? Parce que nous avons utilisé les phosphates de manière systématique pour fertiliser nos champs et par le lessivage, par l'action de la pluie, la disparition dans les rivières, le phosphore se trouve maintenant au fond des océans. Nous pouvons utiliser notre capacité technologique pour essayer d'étendre la capacité de charge de notre environnement par rapport à nous. Quand on parle de révolution verte, c'est ce que nous avons fait chaque fois. On peut faire, on en parle, une nouvelle révolution verte à partir d'une autre chose approximative qui se trouve dans la nature, c'est l'utilisation très peu efficace du rayonnement solaire par les plantes de la photosynthèse. On sait maintenant on trouve ça formidable. Effectivement, la photosynthèse permet des plantes. Ces plantes peuvent être mangées par des animaux qui sont. Il y a une chaîne trophique. Il y a des animaux qui mangent d'autres animaux, qui mangent d'autres animaux, qui mangent des plantes, etc. Mais le processus de production des plantes elles-mêmes est un processus extrêmement peu efficace. Et on travaille maintenant à essayer de l'améliorer. Et ça pourrait faire un véritable saut. Donc, étendre la capacité de charge de notre espèce. C'est l'une des choses que la technologie permet de faire maintenant. Une autre chose, et là je fais la liste sans jugement moral, simplement en décrivant une autre possibilité, c'est d'utiliser la technique pour l'eugénisme, pour diminuer de manière volontaire le nombre d'êtres humains à la surface de la Terre. Et vous le savez, il y a deux versants à l'eugénisme. Il y a l'eugénisme progressif, si vous voulez, c'est-à-dire d'essayer de trier les humains qui vont venir, d'encourager un certain type d'êtres humains par rapport à d'autres, un certain sexe par rapport à d'autres, etc., diminuer le nombre par des interdictions, etc. Et puis il y a ce que j'appellerais l'eugénisme actif, qu'on confond parfois avec, mais qu'on appelle maintenant plutôt, les commentateurs appellent exterminisme à très juste titre, c'est de manière délibérée, une partie de la population se débarrasse d'une autre partie de la population. On l'a fait sur des bases ethniques, religieuses autrefois, on peut le faire maintenant. Il a été question de la disparition du travail. Si on ne résout pas la question du
de la disparition du travail en séparant une fois pour toutes les revenus des personnes ordinaires, c'est-à-dire les personnes ordinaires qui ne sont pas des capitalistes et détenteurs de capital qui vivent du gain du capital, on a une masse de plus en plus grande de personnes qui vont être poussées en dehors du marché de l'emploi. Les chiffres diffèrent, mais quand on utilise le chiffre de 9% de l'OCDE ou le chiffre de 30% de tel ou tel cabinet McKinsey, ça ne fait pas grande différence. Il y a disparition. On a de moins en moins besoin des êtres humains pour produire de nouvelles choses. La part de capital dans ce qui est produit est de plus en plus grande. Vous le saviez autrefois, il y avait des entreprises automobiles qui utilisaient des centaines de milliers de personnes. Maintenant, le même chiffre d'affaires que ces grandes entreprises automobiles est obtenu par des firmes de génie génétique qui emploient parfois quelques centaines seulement de personnes. L'externe minimum, c'est une possibilité. C'est une possibilité technique. L'intelligence artificielle associée à des armes, ce qu'on appelle maintenant des munitions intelligentes ou des munitions autonomes, c'est une possibilité. C'est une possibilité de faire de l'eugénisme d'une certaine manière. Vous avez peut-être vu cette extraordinaire petite vidéo où on voit des petites machines, des petits drones sélectionnés dans une classe. Les enfants qui se sont intéressés à un cas de corruption et ont constitué un petit club contre la corruption. Et vous voyez ces petits drones qui arrivent et qui, de manière sélective, se placent sur le front et déclenchent une charge et les tuent. Si vous n'avez pas vu cette petite vidéo, regardez-la. C'est une chose qui est déjà possible, techniquement possible, on peut déjà le faire. Autre chose que la technique nous permet aussi, par rapport à la survie, nous modifier notre... Vous voulez dire quelque chose ? Non. Modifier notre constitution génétique pour nous adapter à un environnement de plus en plus dégradé. Là aussi, c'est possible. Là aussi, on peut le faire. Là aussi, il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. Et comme vous le savez, nous sommes très mal équipés là aussi pour interdire un certain nombre de choses. Il y a des pétitions, il y a quelques domaines dans lesquels il y a des comités d'éthique qui prennent des décisions de faire ceci ou cela, mais pour la plupart des produits que nous produisons par la technologie, vous le savez, il y a une seule chose qui va décider du fait que se répandra dans la population ou non, c'est le fait que ça puisse se vendre. Et les choses les plus dangereuses, nous le savons aussi, commencent par être produites, bien entendu, par les armées, par le ministère de la Défense. Et toujours dans un discours du même ordre, si nous ne le faisons pas, puisque c'est possible, les autres vont le faire, il faut le faire, sinon de manière offensive, de manière défensive. Et là, vous le savez aussi, une fois qu'un produit se trouve dans le militaire, il y a diffusion, il y a transmission, à moins qu'il y ait des interdictions extraordinaires, diffusion dans le public également. Adaptation à un environnement dégradé, c'est une possibilité. Autre possibilité que la technologie nous permet aussi, c'est carrément abandonner l'idée que cet environnement-ci à la surface de la Terre est celui que nous allons continuer à vivre et aller s'établir sur d'autres planètes à l'intérieur du système solaire ou dans d'autres, sur des exoplanètes, comme on dit, avec des techniques de terraformation. Techniques de terraformation, nous allons constituer une atmosphère ailleurs comme celle de la Terre. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on aille ailleurs ? Il faut que nous protéger contre les rayons cosmiques. Et le mieux qu'on puisse faire, la meilleure technique que nous connaissions, c'est de nous modifier génétiquement pour que nous résistions à cela. Et comme les étoiles, c'est très très loin, ce serait pas mal si on agissait de telle et telle manière où nous puissions vivre 1000 ans. À quoi ça sert de vivre 1000 ans ? Ça ne résoudra pas le problème de la capacité de charge, mais ça peut nous permettre d'aller trouver de nouveaux environnements. Enfin, dernière possibilité qui s'ouvre à nous grâce à la technologie, le remplacement pur et simple de nous par autre chose. On parle de dématérialisation, on peut nous transformer éventuellement qui nous sommes en un logiciel qu'on déposerait sur un autre type de structure. Si on dépose le logiciel qui est Paul Jorion sur un robot constitué de ceci ou cela, ce robot, on s'arrangera de toute manière pour qu'il ne doive pas respirer de l'oxygène, pour qu'il ne doive pas boire de l'eau potable, pour qu'il ne doive pas manger des aliments assimilables. Le mieux, c'est qu'il dépende entièrement du soleil ou éventuellement en plus de la photosynthèse. Nous pouvons faire cela. Nous pouvons aussi simplement accepter le sort qui a l'air de se dessiner et de transformer notre
notre destin, on a un destin ultérieur qui est celui de machines que nous aurons conçues nous-mêmes, des machines autoproductrices, et qui serait simplement l'illustration, je dirais, ultime du progrès, qui est que, ayant compris les limites qui sont les nôtres, qui sont extraordinaires et qui font que dans l'environnement qui est le nôtre, c'est un miracle qu'on ait tenu jusqu'ici, et nous remplacer par d'autres créatures qui, elles, n'auront pas ces problèmes. La preuve, c'est qu'il y a déjà certaines de ces créatures qui sont sur la planète Mars en train de se déplacer, qui sont de l'autre côté de la Lune et qui sont là, et dont nous voyons bien qu'elles n'ont besoin ni d'oxygène, ni d'eau, ni d'aliments assimilables. Voilà les possibilités qui s'ouvrent à nous. Alors, que pouvons-nous faire ? Nous devons réfléchir dans ce cadre-là. Résister, je crois que ça n'a jamais donné rien. Des doutes sur la technique en tant que telle, de type heideggerien, en disant c'est de l'artificiel, c'est pas nous vraiment, ou alors faire du tri à la Günther Anders, en disant bon, il faut se débarrasser de la technologie parce qu'il y a des technologies extrêmement dangereuses. La technologie, à mon sens, elle est liée à ce manque dont parlait Rousseau, dont parlait Derrida. Ce manque, il est là. Il est lié simplement au fait que nous devons nous reconstituer de jour en jour pour pouvoir remplir ces deux tâches qui sont la reproduction de l'espèce, et pour pouvoir reproduire l'espèce, il faut que nous vivions un certain temps. Voilà, me semble-t-il, le cadre dans lequel il faut réfléchir. Alors, deux remarques. La disparition du travail, en soi, c'est une chose absolument excellente. Dans tous les exemples qui ont été donnés, le ludisme, etc., le problème n'a jamais été la technique en tant que telle qui nous libère du travail. C'est le fait que la personne remplacée par la machine ne bénéficie en aucune manière du remplacement. C'est ça la réflexion de Sismondi au début du XIXe siècle. Il faut que chaque personne remplacée par un outil, par une machine, bénéficie à vie d'une partie de la richesse qui est créée à partir de cette machine qui la remplace. C'est un bénéfice pour l'espèce en tant que telle. Donc, du côté du travail, à mon avis, c'est le problème. Il n'est pas la technique ni la disparition de l'emploi, c'est la mauvaise organisation de notre société, d'où ma réflexion. La première partie de ma réflexion qui s'appelle « Se débarrasser du capitalisme est une question de survie ». Et d'autres, le deuxième aspect de cela, et c'est par là que je termine, c'est que le capitalisme en tant que tel, quand il nous parle de la croissance, quand il nous dit qu'il faut produire davantage, un chiffre de l'année dernière, 87% de la croissance supplémentaire d'une année à l'autre a été récupérée par le 1% le plus riche de la population. Comment est-ce possible ? On ne se pose pas la question. C'est par le versement des intérêts. C'est par le versement des dividendes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que 87% de la croissance supplémentaire d'une année sur l'autre va simplement rembourser des gens qui ont prêté de l'argent et que nous rémunérons à partir d'une richesse que nous allons créer, essentiellement en détruisant l'environnement autour de nous. L'idée de maintenir la capacité de charge de notre espèce par rapport à son environnement et l'idée même du capitalisme sont incompatibles. Ça n'a pas été vu pendant des milliers d'années parce que nous étions peu nombreux à la surface de la Terre. Et maintenant, ça se voit, ça nous crève les yeux. Merci. Merci Paul Jean-Yon pour votre exposé qui, à mon avis, suscitera quelques réactions auprès de nos intervenants et dans la salle. La parole est à vous maintenant. Alors voilà, on lève la main pour prendre la parole et ça se passera très bien. Merci. Donc on a le droit à une question, c'est ça ? Non, mais l'idée c'est qu'il y a un échange entre la personne qui pose la question et puis nos intervenants. Alors bon, bah disons que je vais commencer par une question qui est posée à Fressoz et éventuellement à Lingras. Parce que l'un comme l'autre, vous avez terminé votre exposé en disant finalement la transition, ça n'existe pas, d'une façon ou d'une autre. La perspective de la transition n'existe pas. Donc à partir de ce constat, si j'ai bien compris, vers quoi ça nous mène. C'est-à-dire que moi, j'ai le sentiment que vous n'êtes pas allé au bout de votre raisonnement. Alors, je pense que la perspective de la transition, elle existe. C'est plutôt que, historiquement, il n'y a pas eu de transition. C'est ma critique, elle est strictement empirique. Et, historiquement, il n'y a pas eu de transition énergétique. Donc, c'est plutôt le constat qu'il n'y a
peu de chances, à part si vraiment on se bouge les fesses très sérieusement, qu'on arrive à faire une transition énergétique dans les temps impartis pour des raisons essentiellement climatiques. C'est plutôt un argument empirique qu'un argument de prospective futurologique, parce que là-dessus, je n'ai pas particulièrement de compétences. Mais je pense que la perspective d'une transition, c'est un truc qui devrait quand même nous animer. Je pense qu'il faut laisser un espace à cette idée quoi, de transition, mais une vraie transition. Le problème, c'est que souvent, quand on parle de transition, on parle d'éoliennes. J'ai encore parlé d'éoliennes et de panneaux solaires, mais pour l'instant, ça a été au niveau global que des petites additions sur un mix qui reste fondamentalement carboné. Donc je pense que mon idée, c'est simplement de dire que historiquement, une vraie transition, si on veut la faire advenir, il faut vraiment changer les choses assez profondément dans les modes de consommation, dans les modes, la façon d'habiter. Par exemple, une bonne partie des émissions de CO2, ça vient de l'habitat. Je disais dans Le Monde, 80% des Français trouvent que le modèle, c'est d'avoir une maison individuelle, qui est forcément plus énergivore, etc., que l'habitat collectif. Ça va dans les modes de consommation. L'agriculture, c'est, et en particulier la viande, c'est une source hyper importante d'émissions de CO2. C'est regarder un petit peu ces choses-là et réduire ça, qui est en fait une vraie, enfin, la chose vraiment importante, avant de parler d'éolien et de renouvelables, effectivement. Oui, j'ajoute que... Ça marche, oui. Oui, je suis entièrement d'accord, mais la critique que j'ai fait de la transition, c'est la transition, c'est une transition qui nous est vendue comme technologique, purement technologique. On continue comme avant, on continue la croissance, on continue le PIB que j'appelle le programme d'industrialisation du bonheur. Hein, c'est ça au fond. Le progrès, c'est industrialiser le bonheur, le PIB. C'est ça. Donc cette croissance stupide qui est censée nous apporter le bonheur, en fait, nous détruit. Donc, je veux dire que la transition, c'est repenser ce fait, la croissance, et puis imaginer un autre rapport avec la technologie, et par exemple, justement, accepter l'intermittence. Donc, c'est un autre imaginaire. C'est une autre connaissance. Vous savez, la phénoménologie dit il y a la conscience et la conscience de l'objet. Mais c'est conscience que l'objet qu'on utilise, il est intermittent. Donc, on doit accepter, changer notre rapport avec la nature. C'est peut-être une utopie absolue, mais si on doit penser à un avenir, je crois que c'est la seule possibilité qu'on ait pour arriver à trouver une solution. Oui, il y a une question aussi, madame. Oui, je voulais apporter une petite nuance à ce qu'avait évoqué Paul Jorion par rapport à la disparition éventuelle du travail humain. On sait bien que depuis au moins le début du XXe siècle, la quantité de travail humain nécessaire pour faire fonctionner la planète ne fait que de diminuer. Et alors que la population continue d'augmenter, et puis que la productivité des industries obsédées par la croissance ne cesse d'augmenter aussi. Donc en fait, le travail, il y a quand même énormément du travail humain qui ne pourra pas disparaître, tout ce qui est lié justement au rapport entre les gens, à l'intuition. Il restera toujours du travail à faire, il y aura beaucoup moins besoin d'heures, d'efforts humains probablement, mais plutôt que de supprimer les gens qui serviront à rien, une autre solution consisterait à partager davantage le travail et que le travail représente pour chacun simplement une partie de son activité, de bien faire le distinguo entre travail tel qu'on l'entend encore aujourd'hui, mais qui est une notion qui est probablement à reconceptualiser, étant donné la modification des conditions du travail au XXIe siècle, justement, notamment en raison des nouvelles mobilités, du développement du numérique, etc., etc. Donc il y a d'un côté la répartition du travail et puis de l'autre côté la répartition des revenus de la planète. Donc là on repart effectivement dans la critique radicale du capitalisme. Oui, merci madame. Plusieurs choses, je vais répondre à plusieurs points que vous avez soulevés. La nécessité de maintenir des personnes qui seraient spécialisées dans le rapport entre les gens. Vous vous souvenez peut-être, ça date, je dirais, d'une dizaine d'années,
un discours qui était tenu, qui était que dans l'aide à la personne, ce serait un domaine qui serait à l'abri de la numérisation. En particulier, on n'imaginerait pas que ce soit des robots qui s'occupent de personnes dans les EHPAD et des choses de cet ordre-là. Or, c'est venu du Japon, c'est pas chez nous, mais le premier endroit où il y a véritablement eu des robots, c'était précisément dans l'aide à la personne. Et l'explication de cela, je l'ai trouvée dans une interview, où on essayait de comprendre ce qui se passait, et... on demandait à une personne, mais pourquoi est-ce que vous trouvez ce rapport au robot intéressant? Et la personne disait, il vaut mieux un robot qui joue avec moi plusieurs heures par jour plutôt qu'un être humain que je ne vois une fois tous les quatre jours. Et ça, c'est lié, bien entendu, à la manière dont fonctionnent nos sociétés. Nous pouvons avoir un rapport, je dirais, irénique à la réalité, mais il y a aussi la manière dont ça marche en réalité. Moi, j'étais gosse dans les années 50, on nous parlait de l'an 2000. Il y avait des bandes dessinées à ce sujet-là. On travaillerait très très peu, des robots feraient plein de choses, on aurait beaucoup de temps pour les loisirs. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait mis entre parenthèses dans cette représentation idyllique de l'an 2000 le fait que nous sommes à l'intérieur d'un système économique bien particulier où, comme je le disais tout à l'heure, mais c'est la remarque faite par Sismondi au début du 19e siècle, les personnes qui sont remplacées ne bénéficient pas du remplacement parce que c'est le détenteur, c'est celui qui a payé pour la machine qui reçoit la richesse qui a été créée. Nous mettons entre parenthèses, je dirais, nos vœux pieux, et nous mettons la réalité entre parenthèses avec nos vœux pieux. Et nous avons cette espèce, je dirais, d'aveuglement de dire oui, mais ce serait mieux si c'était comme ça. Oui, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est ça la difficulté. Vous avez parlé de l'intuition, qu'il est important qu'il y ait que l'homme, la femme ont de l'intuition, l'espèce humaine a de l'intuition, et que c'est une qualité qui se trouvera plus pas nécessairement dans la machine. Alors je vous rappelle, ça se passe vers 2015 à peu près, dans les grandes revues de réflexion sur les questions du numérique, comme par exemple la revue Wired américaine, on nous dit le jeu du Go, c'est un jeu que la machine ne pourra jamais gagner. Pourquoi? Parce que simplement par le calcul, en raison du nombre de cases sur, c'est pas l'échiquier, c'est la table de Go, le nombre de combinaisons est tel que même un ordinateur n'arrive pas à faire le calcul. Il faut, nous, si nous réussissons à jouer à ce jeu, c'est grâce à l'intuition. L'année suivante, après cet article qui a été approuvé par l'ensemble de la communauté, les machines ont commencé la machine AlphaGo a battu d'abord quelques champions de rang élémentaire. Elle a battu ensuite les plus grands champions humains. On a inventé une autre machine qui s'appelle AlphaZero, qui, elle, n'apprenait plus à partir de parties qui avaient effectivement été jouées par des êtres humains, mais simplement jouant avec elle-même. Cette AlphaZero a battu toutes les machines AlphaGo précédentes. Nous sommes dans un autre ordre de grandeur. On avait dit, bien entendu, on a demandé aux programmeurs, est-ce que vous avez mis de l'intuition dans la machine? Et ils ont haussé les épaules, bien entendu. Non, on ne sait pas ce que c'est l'intuition, donc on n'a pas mis ça dans la machine. À la même époque, une intelligence artificielle bat les plus grands champions de poker. Même question qui est posée aux programmeurs. Vous avez appris à la machine à bluffer. Les programmeurs se regardent disant il n'y a pas une ligne de programmation qui soit du bluff, on ne sait pas comment on l'aurait pu le faire à l'intérieur de la machine. Ça vient spontanément. Quand on pose la question, on dit oui, mais la machine n'aura jamais de la conscience. Moi, je suis agnostique. Est-ce que la conscience ne va pas apparaître de manière spontanée dans la machine, comme, à mon sens, elle est apparue spontanément chez nous, comme un mécanisme lié au mécanisme de la remémoration? Pardon ? Je suis complètement fou. C'est pas la réputation qui m'accompagne. Vous avez peut-être d'autres types de connaissances. Alors on va vous passer le micro, vous allez nous expliquer à partir d'où vous dites cette chose. Moi je ne dis pas a priori que vous êtes complètement fou pour avoir fait cette remarque, mais quand vous aurez parlé, peut-être que j'irai jusque là. Pour la question du partage du travail.
Pour la question du partage du travail, la question du partage du travail est fondée sur, à mon sens, une erreur d'appréciation. C'est l'idée que du travail, c'est du travail. Qu'il y a pas de que c'est une question purement quantitative et qu'il n'y a pas de problème qualitatif de ce type-là. Quand on nous dit on va baisser le travail, on va faire, c'est un projet, par exemple, M. Laroutourou a associé son nom, la baisse progressive du temps de travail, 40 heures, etc., descendre jusqu'à 24 heures, etc. Dans le type de société où nous vivons, on peut imaginer qu'on partage le travail davantage. Et imaginez-vous un instant que les gens qui font de la programmation, justement, de l'intelligence artificielle, que les gens qui réalisent les logiciels qui vont permettre de faire de la maintenance des robots, etc. Imaginez-vous qu'il soit concevable, d'un point de vue économique dans nos sociétés, qu'on fasse moins travailler ces gens-là. C'est impossible. Ils ont une compétence très pointue, ils sont très demandés, ils travaillent davantage que les 40 heures par jour. En plus, c'est amusant ce qu'ils font, ils sont bien payés. On ne va pas pouvoir partager ce type de travail avec d'autres personnes qui n'auraient pas les compétences de le faire. Quand on dit baisser le temps de travail, on met entre parenthèses les différences qualitatives entre les types de travail. Quand on imagine sur le papier du travail qu'on pourrait réduire à 24 heures par semaine, c'est une indication très très simple que c'est du travail qui est simplement en train de disparaître et qu'on peut se permettre, de le faire de cette manière-là. Il y avait une dernière chose que vous avez dite. Oui, bon, je crois avoir répondu en gros à votre question. Ok, merci. Alors, est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît, comme ça, ce sera des échanges intelligibles. Certainement intéressant. Il y aura monsieur. Madame là-bas ensuite, et en quatrième, madame ici. Merci. Je vois que sur les réflexions du genre « la machine n'arrivera jamais à », il y a déjà une accroche. Je pense que, pour ma part, je pense qu'il faudrait plutôt se poser la question de savoir, les outils qu'on fabrique nous posent des défis et nous obligent à reconsidérer tout le temps et de plus en plus ce qui est humain par rapport à ce qui ne l'est pas. Et je crois qu'il serait préférable d'avoir cette posture-là plutôt que de dire que, ah non, oui, l'humain ne sera jamais, etc., etc. Ça me paraîtrait plus utile heuristiquement. Paul Jorion, si vous voulez. Oui, non, une remarque, je fais toujours la même remarque, mais c'est pas une remarque, je dirais, pour défendre le système économique dans lequel on est. Mais imaginons, voilà la chose suivante. Vous savez, sur des programmes de diagnostic très pointus en médecine maintenant, par exemple, un système de diagnostic qui est basé sur la machine, sur Watson, qui est le système de la machine IBM, les diagnostics en oncologie sur le cancer font moins d'erreurs que les plus grands spécialistes humains. Alors, la question va se poser tout de suite. Dans le diagnostic, il n'y a pas un rapport à la personne qui pourrait justifier que, voilà, que ce soit des hommes ou des femmes qui le fassent plutôt que des êtres humains. On va faire intervenir uniquement des questions de type quantitatif. Est-ce qu'il y a moins de douleur dans la population du fait que le diagnostic est mieux fait plutôt que moins bien? Il y a moins de douleur, bien entendu. Du point de vue de la sécurité sociale, On connaît le calcul. 80, c'est quoi? C'est 70% de l'argent qui est dépensé sur nous le sera dans les trois derniers mois de notre vie. Si on peut réduire ces coûts-là, c'est important pour la sécurité sociale. Ils sont souvent liés au fait qu'on ne sait pas exactement ce qui est en train de se passer, que des erreurs importantes sont faites. D'un point de vue purement économique, la pression va venir de plus en plus. Et elle va poser des questions comme l'euthanasie, simplement en termes de coûts. Ça, ce n'est pas de l'eugénisme, mais la question va se poser. Elle a été soulevée il y a longtemps, il y a une dizaine d'années, par Alan Greenspan, à la tête de la Fédérale Réserve, qui a dit, dans le cadre du système économique où on est, on va devoir se poser ce type de questions. Non pas parce que la morale nous oblige à le faire, mais parce que le calcul des coûts nous oblige à le faire. Merci. Il y a une question ici. On a beaucoup abordé les objets techniques ou digitaux. La politique, c'est une technique. Les formes d'entreprise, c'est des techniques. Comment on peut discuter de ça? Par exemple, moi, j'ai appris en classe prépa que le chemin de fer n'aurait jamais pu se développer s'il n'y avait pas eu la société par action. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des nouvelles techniques aussi à réinventer? Est-ce que c'est possible,
avant de déchaîner le Léviathan technique et que peut-être il dépasse et il suit une autonomie qui n'aille pas forcément dans un sens qu'on aurait voulu. Est-ce qu'il y a des choses comme le logiciel libre dans le manifeste de Low-Tech ou d'Ingénieurs sans frontières qui permettraient de laisser la technique aux citoyens pour pas qu'on se retrouve dans des trucs où on a des promesses techniques mais qui finalement vont répondre aux besoins de 1% de la population. Parce que qui va aller sur Mars, en fait, c'est ceux qu'on auront les moyens, puis les autres, ils vont crever, quoi. Merci. Qui voudrait répondre à cette question, François ? Moi, je veux bien... On parle de grosses questions, là, c'est compliqué. Mais je pense que c'est une bonne question, là. La question des institutions, des modes de régulation, c'est ça que vous voulez soulever, pour réguler, pour accompagner. Au 19e siècle, le suffrage universel et la démocratie représentative ont été conçus comme des outils qui devaient désarmer les effets potentiellement dangereux des nouvelles technologies, de l'âge industriel. C'était même le grand projet des républicains et des socialistes avant 1848. D'ailleurs, ils répondaient très clairement lorsqu'on leur disait « le grand machinisme industriel va créer de la misère », etc. Ils répondaient « ça crée de la misère dans un système juridique et institutionnel inégal où les groupes aristocratiques dominants sont au pouvoir, dans une société où la souveraineté populaire serait instaurée, tous les intérêts de la société seraient pris en compte et donc les effets néfastes de la technologie disparaîtraient. » Et c'était la grande utopie de la démocratie libérale au 19e siècle, d'également de civiliser en quelque sorte des transformations industrielles qui avaient toute une série de conséquences extrêmement dramatiques dont étaient très conscients les acteurs au début du 19e siècle. Le problème, c'est que, et d'une certaine manière, ça s'est un peu passé comme ça. Quand Paul Jorion dit « il y a une redistribution », Sismondi, machin. Oui, bien sûr, quand il y a un changement technique, c'est pas tant une question de disparition du travail de façon absolue, c'est une question de redistribution fondamentale. La machine, elle redistribue dans le temps, dans l'espace, le travail. Et donc, il y a plein de machines et on en a bénéficié. C'est-à-dire que l'état social, tout ce qui s'est mis en place au 19e et qui a subsisté, qui subsiste encore jusqu'à aujourd'hui, ça a été des manières de redistribuer aux dépens d'autres. C'est-à-dire que les grandes machines industrielles ont bénéficié à certaines franges de la population mondiale, les consommateurs de l'Europe de l'Ouest, en redistribuant le pouvoir à l'échelle globale, en exploitant des ressources ailleurs, en exploitant des travailleurs ailleurs. Le monde numérique redistribue aussi le travail, il crée du travail exploité de prolétaires chinois dans des usines qui fabriquent les smartphones, etc. Donc je pense que la question, c'est moins fondamentalement la question de la fin du travail. J'ai du mal parce que oui, ça fait de la fin du travail localement dans certains endroits parce que ça redistribue le travail dans l'espace, etc. Donc la machine, c'est un instrument de redistribution. C'est pour ça qu'il faut contester certaines techniques dont les impacts sont de redistribuer de façon inégalitaire les rapports sociaux et les rapports à la nature. C'est ça qui est fondamental. Au profit de technologies que certains appelaient conviviales, douces, alternatives, ce que vous voulez, dans l'histoire des technologies, Ivan Illich considérait qu'il y avait des technologies conviviales et c'était des technologies qui permettait l'autonomie des individus, qui permettait une intervention sur l'artefact, qui permettait d'avoir un impact limité sur le milieu, etc. Donc il y a des règles institutionnelles à inventer. Le problème, c'est qu'on est dans un moment de mondialisation, de dérégulation, qui fait que ce cadre institutionnel négocié qui a pu fonctionner pendant un siècle au service d'une petite minorité de la population mondiale éclate. Et c'est là, évidemment, qu'il y a aussi un problème majeur, c'est que oui, il y a sans doute plein de formes juridiques à réinventer, et l'enjeu, c'est bien de politiser la question de la technique pour en faire un espace de délibération collective. Le problème, c'est des questions d'échelle, des questions de réinvention d'institutions, de décisions collectives à des échelles autres. Je pense que les Gilets jaunes, fondamentalement, c'est aussi c'est une conscience du fait que les gens sont désappropriés de leur avenir, sont désappropriés de toute capacité d'agir sur le réel au profit d'une élite technocratique, et ce qu'ils veulent, c'est trouver des manières de se réapproprier une prise sur le monde. Et à mon avis, ça participe aussi du même processus. Donc tout ça, c'est très compliqué. Oui, on a cru historiquement que les institutions juridiques, que des formes d'organisation économique résoudraient naturellement le problème des techniques. Ce qui a poussé à mettre la question des techniques hors du débat politique comme un truc d'expert, comme un truc neutre, toute la question étant de savoir quel usage on va en faire. Ce qu'on se rend compte aujourd'hui, malgré tout, c'est que ça ne suffit pas. Parce que les techniques, les choix techniques par eux-mêmes ont des conséquences sociales, redistribuent les flux de matière qu'évoquait Jean-Baptiste Fressot, et donc, quels que soient les usages qu'on en fait, ils ont quand même un impact sur le monde, sur nos rapports sociaux, sur nos rapports géopolitiques, Et c'est ça, en fait, dont on se rend compte aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est dans un moment technocritique, parce qu'on pense que les vieilles solutions institutionnelles dont on pensait qu'elles pourraient résoudre les impasses ou les apories du changement technique et industriel, ça s'effondre en quelque sorte. Et en plus, on est dans un moment où ces cadres institutionnels-là sont remis en cause de tous les côtés par les rapports de force internationaux. Donc, c'est dans ces situations de contradiction dans lesquelles on est. Je
Moi, ce qui me frappe dans la discussion qu'on a eue, c'est qu'en fait, on aurait pu l'avoir dans les années 60 à propos de l'informatique. Il y a un discours de Harold Wilson, qui est ministre à Labour en Angleterre, qui est le discours du White Heat. Et ce que Paul Jorion dit sur l'intelligence artificielle qui va détruire le travail, il y en avait exactement le même discours sur l'informatique dans les années 60. Donc, il faut se méfier de voir à quel point, finalement, le discours de ce type-là, en fait, suit le discours du gourou, des gourous des technologies. Et on devrait croire que l'intelligence artificielle va nous remplacer, etc. Mais en fait, c'est le discours qu'ils veulent nous faire croire. C'est-à-dire, moi, il me semble qu'il est temps d'avoir un regard un peu adulte sur le monde des techniques et arrêter de se focaliser sur le dernier gadget à la mode, quoi. C'est ça le sujet. C'est que le discours technocritique est complètement focalisé sur le dernier machin, le dernier bidule qu'on nous brandit comme ça. On court tous après ça et c'est complètement... on se fait avoir à chaque fois. Par exemple, les OGM. Un truc important à critiquer les OGM, mais à se focaliser sur les OGM, on voit pas les pesticides, ici, des engrais, etc. Ce qui est important, c'est l'agriculture industrielle. C'est pas ce dernier machin qui sont les OGM qui sont peut-être pas si importants que ça, etc. Donc il faut vraiment faire super gaffe à ne pas se focaliser justement sur une technique bien particulière, à croire qu'une technique est hyper importante. L'économie ne fonctionne pas comme ça. L'économie, c'est un truc beaucoup plus compliqué, où c'est tout un ensemble de choses qui interagissent en même temps, plein de choses anciennes, plein de choses récentes aussi. Mais en tout cas, par exemple, il se pourrait que l'intelligence artificielle ne soit pas du tout importante. Et que ça soit en fait un truc... Par exemple, quand vous dites « Ah oui, maintenant l'ordinateur est plus fort que... la machine bat les joueurs de Go. » Mais c'est pas la machine. C'est tous ces programmeurs qui ont travaillé pour faire ce programme, etc. C'est pas du tout la machine, c'est pas l'ordinateur tout seul. Donc tout ça, et à mon avis, c'est ce que je dis, qu'il est temps d'avoir un regard un peu plus adulte finalement sur le monde technique et ne pas se laisser embobiner par les gourous du high-tech de la Silicon Valley, parce que sinon c'est ça qu'on a. Tout le discours aussi, limite transhumaniste sur l'amélioration de l'humain, mais c'est du blabla, c'est du vent complet, arrêtons de se faire avoir par ça. Voilà. Oui. Je vais vous répondre une chose, que je vais pas en tirer un titre de gloire, mais je vais quand même le signaler, que j'ai été chercheur en intelligence artificielle. À l'époque pionnière, j'ai mis au point un logiciel d'intelligence artificielle qui s'appelle ANELA, Associative Network with Emerging Logical and Learning Abilities, réseau associatif à propriété émergente d'apprentissage et de logique. Oui, c'est-à-dire, je parle d'un... Oui, tout s'explique. Je parle d'un domaine que je connais. C'est peut-être ça qui nous sépare. Oui, non, donc, quand moi, je vois des choses, quand moi, je vois des progrès... Il y a eu un petit exemple, ça date d'il y a quelques années. On a fait apprendre... à l'intelligence artificielle, les petits jeux, les premiers jeux d'informatique Atari. Vous savez, casse-brique, ping-pong, etc. Et on montre ce que la machine arrive à faire devant un auditoire. Et quand vous regardez cet auditoire, parce qu'on le voit bien sur la petite vidéo, il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui sont soufflées, qui sont absolument sidérées, et des personnes qui ne voient rien. Les personnes qui sont sidérées, c'est les programmeurs, parce qu'ils savent ce qui est en train de se passer là. Une autre remarque, c'est sur quand monsieur dit que la machine à vapeur n'aurait pas été possible sans la société à action. Il faut savoir que la société à action, c'est un modèle extrêmement ancien. C'est simplement une généralisation à l'entreprise moderne d'un système qu'on appelle le métayage, qu'on appelle en anglais le sharecropping, qui est un système tout à fait classique. Et je vous rappelle qu'en anglais, on dit toujours, pour une action, on appelle le share, c'est-à-dire une part. C'est un système que nous, les Européens, quand nous avons commencé à voyager, qu'on a trouvé en Indonésie, qu'on a trouvé à Madagascar, en Polynésie, on ne sait pas de quand ça date. C'est un système qui existe chez nous aussi depuis le Moyen-Âge, ça s'appelle le métayage. C'est un système simplement de partage du risque. Vous avez, dans un système où il y a de la propriété privée, vous avez le propriétaire d'une ressource qui n'a pas nécessairement la force de travail, la main d'œuvre pour l'utiliser lui-même, et qui va le prêter dans un contrat de métayage à quelqu'un d'autre qui, lui, va faire produire cet environnement. C'est exactement la même chose quand vous achetez une action, vous proposez du capital à cette entreprise, elle va utiliser ce capital, elle va vous rendre une part sur la richesse qui leur a été créée, qu'on appelle le dividende. Alors on peut gagner de l'argent aussi parce que le prix de l'action monte, parce que l'espérance d'un dividende va augmenter, mais c'est un très très vieux système, et je vous le dis, nous Européens en voyageant, nous l'avons trouvé dans des endroits où ça devait sans doute exister depuis des milliers d'années. Le système de la par action est lié à une innovation. C'est une innovation qui date des années 1850, qui vient des États-Unis, c'est d'accorder la personne morale, une personnalité juridique aux entreprises. Quel était le souci ? C'était que dans le droit ancien,
qui avait lieu, qui était celui qui s'appliquait au XIXe siècle jusqu'à cette époque-là, quand il y avait mort du propriétaire d'une entreprise, il y avait dissolution automatique de l'existence même de l'entreprise. On a considéré que c'était dangereux. On a donné aux entreprises la possibilité d'être immortelles sur le papier. Nous n'avons pas cette possibilité. Il y a là un déséquilibre qui s'est instauré depuis, mais la société par action permet effectivement que des générations entières, peut-être dans la même famille, continuent à garder des actions d'une entreprise. Mais il n'y a pas de nouveauté véritable au XIXe siècle par la société par action. Alain. Oui, je voudrais simplement intervenir sur une question de la connaissance. La question de la connaissance, parce que vous avez dit quelque chose à propos des peuples qu'on appelait primitifs, primordiaux, ce qui m'a un peu gêné. En ce sens que vous avez dit, eux, ils n'avaient pas la connaissance, ils ont arrivé à survivre. Je suis assez choqué. Parce qu'ils avaient une forme de connaissance, ils avaient un dispositif épistémologique qui était différent du nôtre. La science est un dispositif de réflexion sur le monde et de recherche de la vérité. Elle a pour cela des instruments mathématiques. Mais elle n'est pas plus vraie que celle du chaman dans la forêt amazonienne. C'est une autre manière de voir et une autre manière de connaître. J'ai ici une citation de Pierre Dac, je me suis dit, je vais quand même la placer parce que c'est quand même pas... dites à quelqu'un qu'il y a 300 milliards d'étoiles dans l'univers et il vous croira. Dites-lui que la peinture n'est pas sèche, il aura besoin de toucher pour en être sûr. Voilà, je crois qu'on est un peu dans ce niveau-là. Merci. C'est-à-dire que la compréhension, c'est la compréhension du savant de l'astrophysicien, c'est pas la même que la mienne. Effectivement, je ne suis pas allé voir l'étoile, le trou noir, je ne suis pas allé le voir. Merci. Alors, j'aimerais passer la parole à Maxime. Non, il faut répondre à ça sur cette idée que les... Ben, si, quand même. En une minute. Là, moi, j'ai travaillé en intelligence artificielle pendant 3 ans. Mais je suis anthropologue depuis près de 50. Voilà. Et oui, et j'ai une réputation comme anthropologue. J'ai travaillé, je suis docteur en anthropologie, j'ai été professeur d'anthropologie à l'Université de Cambridge et à d'autres endroits. Il existe dans le monde un système qui s'appelle le totémisme. Et par exemple, ce totémisme, c'est diviser le monde entier en 4 catégories. Alors les 4 points cardinaux appartiendront à quatre catégories, mais alors vous aurez les excrétions du corps humain, vous aurez le crachat, le sang, le sperme, et puis encore un quatrième que vous allez mettre du côté du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Les êtres humains autour de vous, vous allez les diviser en 4 catégories que vous allez associer au crachat, au sperme, au nord, au sud, etc. C'est un système d'une inefficacité absolue. Notre culture a créé une interprétation du monde à partir de l'apparence physique, à partir de ce que nous pouvions voir et en ajoutant l'influence des autres sens. Ça a produit un discours d'une beaucoup plus grande efficacité. Et là, je vous dis cela en tant qu'expert d'anthropologie, c'est pas de l'invention, c'est quelqu'un qui a fait son métier de parler de ça dans des institutions respectables. Merci. On va prendre, il nous reste un quart d'heure, donc on va prendre, madame avait demandé la parole. J'entends ça fait déjà pas mal de fois que c'est la faute du capitalisme, c'est la faute d'un système économique, etc. Je ne veux pas blanchir le capitalisme ce n'est pas le modèle idéal, mais je voudrais pointer quand même la responsabilité des gens de toute une époque, depuis 30 ans. Alors bon, on a parlé du réfrigérateur, de la machine à laver, mais on n'est pas collé à son réfrigérateur, à son aspirateur, à sa machine à laver. On sort, on les laisse chez soi. Là, il y a vraiment un basculement total qui s'est produit où chacun est collé à son écran. Et moi, j'étais surprise en arrivant ici, mais je suis encore très naïve, de voir à un endroit où on critique, de voir beaucoup de portables allumés, beaucoup d'ordinateurs. On aurait pu simplement demander aux gens de s'en passer pendant 3 heures, où ça aurait pu être spontané. Mais j'ai l'impression qu'il y a une telle... Moi, ce qui me panique le plus, encore plus que notre système capitaliste, je ne le défends pas. Hein. Je pense qu'il permet ça et qu'il nous a entraînés vers ça. Il n'est pas question de le défendre. Mais pour moi, le plus grave, c'est bien que les gens ont dit oui. Et qu'ils ont dit oui en ayant leur portable. Qui est prêt à casser, comme les ouvriers qui cassaient leurs outils, qui est prêt à sortir de la salle et à casser son ordinateur et à son portable ? Pour moi, la première question, elle est là. Merci. Merci.
Oui, non, mais attendez, j'ai pas fini. Merci. J'ai pas fini. Il y avait une question. Il ne suffit pas de m'applaudir, il faut le faire. Et bon, la distinction, c'était entre la théorie et la pratique. Je n'ai entendu ici que des critiques théoriques, peut-être fort intéressantes et certainement beaucoup plus calées que ce que moi je pourrais dire, et merci. Mais la critique reste théorique, il faudrait peut-être qu'elle soit pratique. Merci. Merci. La critique plus pratique fera l'objet de la table ronde de ce soir, justement. Donc si vous êtes avec nous, c'est encore mieux. Madame, oui, c'est à vous. Oui, monsieur Alain Graff, vous avez commencé votre présentation, vous avez dit que la technique en soi n'est pas le problème, mais qu'elle a été pervertie par les sciences, et j'entends les sciences modernes. Est-ce qu'on a du temps pour en parler un petit peu des sciences, justement? Merci. Il y avait madame là au deuxième rang. Merci. Alors, on n'a pas encore parlé du film qui est en train de passer, qui est en replay encore jusqu'au 28 juin, « L'homme a mangé la terre », et qui est le film qui émerge d'un livre de Jean-Baptiste, hein, c'est bien ça. Et ce qui est si intéressant dans ce film, et qui peut peut-être aider un peu à ordonner les échanges, là, c'est qu'on voit deux siècles, on voit une évolution pendant deux siècles, les deux derniers siècles. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette évolution? On voit qu'il y a deux évolutions qui se passent en même temps, qui se côtoient et qui se contrarient, en fait. On voit l'évolution des gens, l'évolution du travail dans les différents domaines, hein, par exemple l'agriculture, et on voit parallèlement une évolution qui veut être... Qui vise toujours la performance, l'invention de nouvelles technologies. Et qui est aux commandes de cette évolution, de cette deuxième évolution? C'est des industriels qui cherchent le profit, donc qui ne font pas des recherches en fonction des besoins, mais en fonction des profits. C'est ça qu'il faut regarder au départ. Et la transition, c'est bien... à ce sujet-là qu'il en est question, de se réveiller et de dire est-ce que dans le monde de l'économie au sens large, c'est-à-dire celle du travail, de la terre ou de tout ce qui fait qu'il y a des gens qui produisent une activité qui va se traduire par une offre au public de choses nécessaires. Donc, est-ce qu'on va se réveiller par rapport au fait de ce qui dirige pour l'instant toutes les grandes inventions, disons comme ça, toutes les grandes innovations, voilà. Est-ce que ça va être le profit ou est-ce que ça va être le vrai besoin des gens? Et pour savoir est-ce qu'on le fait en fonction des besoins, il y a cette thématique qui vient à l'ordre du jour et qui fait partie d'une vraie transition des consciences, qui est de prendre les décisions par rapport à la vie du territoire, par rapport à ceux qui habitent sur le territoire et qui sont, eux, capables de savoir quels sont les besoins et de s'entendre ensemble. Merci. Alors, on va prendre une quatrième question là-bas et puis ce sera tout pour le moment. Bonjour. Du coup, déjà, merci. À l'heure du coup de la fonte du permafrost, donc du coup du fait que les scénarios 1,5°, 2°, on peut plutôt être au courant que c'est... Enfin, on oublie. À l'heure où vous dites vous-même que certains événements de technologie vont être complètement néfastes, moi, je pense directement aux objets connectés et, désolé, monsieur, à l'intelligence artificielle et au big data. Quels sont pour vous, justement, si on doit lier le concret, les principaux freins, en fait, au non-avènement de ces nouvelles technologies, à l'heure non pas plutôt de la transition écologique, mais vraiment anthropocénique, dans le sens où c'est plus du tout un shift, on va dire, des moyens de production qu'il faut, mais vraiment une nouvelle ontologie pour juste assurer un minimum la viabilité et la durabilité des socio-écosystèmes. Merci. Donc la parole est à vous maintenant, messieurs. Il y a une question pour Alain, il y a une question pour Jean-Baptiste aussi, entre autres Alain, Paul aussi, comme vous voulez.
Moi, je ne vais pas répondre à tout. Enfin, oui, la question du profit, je crois qu'on l'a tous plus ou moins abordée. La question, quand on parle des techniques, il y a toujours ceux qui disent il ne faut pas se focaliser sur les techniques, c'est la question du capitalisme. Et puis quand on parle uniquement du capitalisme, on oublie les techniques. Donc ça, c'est un faux débat, puisque les deux vont de pair. Les objets technologiques, l'une des raisons de la frénésie des discours hors sol sur l'innovation, c'est qu'en fait, c'est juste de la publicité qui vise à faire du profit. En cela, moi, je suis assez d'accord avec Jean-Baptiste sur le fait qu'il ne faut pas être naïf. Alors, j'aime pas dire qu'il faut qu'on devienne adulte, parce que je pense qu'on est tous adultes dans la salle, mais je pense que je suis assez d'accord sur le fait qu'il ne faut pas se laisser avoir par le baratin des numérologues qui sont partout, qui essayent de fourguer leurs marchandises, pour ça, de créer du désir, pour choper des financements de tous les côtés. Ils ont besoin de créer du désir, donc ils créent de la promesse sans fin. Et ces promesses, évidemment, il ne faut pas les prendre au pied de la lettre. Ce n'est pas parce que... Il faut démystifier ces promesses high-tech et ces espèces de trucs délirants qu'on voit partout, qui cannibalisent l'esprit des contemporains, etc. Et en même temps, il ne faut pas tomber dans le piège inverse, considérer à dire qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil, ce sont que des fausses promesses hors sol qui n'ont aucune signification. Parce qu'on voit bien qu'effectivement, le big data, le monde numérique, les objets connectés s'insinuent dans tous les espaces de la vie sociale, ont des impacts environnementaux importants, remodèlent nos rapports sociaux, remodèlent nos subjectivités, créent une multitude de besoins nouveaux qui, une fois installés, apparaissent comme les nouveaux droits fondamentaux de l'humanité qu'il serait scandaleux de remettre en cause. Et du coup, on est coincé en permanence, ce qui rejoint la question, je crois qu'il y avait la question des besoins. Je ne sais plus qui a posé cette question. C'est la question, c'est une question évidemment fondamentale, qui est une question aussi très complexe, puisque c'est la définition d'un besoin qui est extrêmement complexe parce qu'elle est construite socialement par la publicité, par la profusion des imaginaires. C'est pour ça qu'il y a un travail culturel de déconstruction de ces imaginaires, de déconstruction des faux besoins factifs qu'on nous vend pour fourguer des marchandises pour accroître les profits. Donc derrière ça, il y a une critique qu'il faut continuer, poursuivre, de la société de consommation, des imaginaires consuméristes. C'est ce qui est terrible, c'est que ça fait 40 ans qu'elle existe, qu'elle est quand même très forte, qu'elle existe dans plein de milieux et qu'elle ne cesse d'être réactivée. Mais c'est la puissance du capitalisme consumériste et high-tech de sans cesse reprendre ses critiques dans le cœur de ses doctrines pour se renouveler, se réinventer. Et ça, c'est l'un des pièges dans lequel on est. Je ne sais pas quand on dit qu'il faut distinguer la critique théorique, oui, on s'excuse, on est un peu dans le baratin abstrait sans doute, mais après il y aura une deuxième phase plus concrète avec... Mais je ne sais pas qu'est-ce que serait une critique vraiment pratique. Moi, quand je vous parlais de mes batteuses à manège, j'essayais d'être le plus pratique possible en disant qu'il y avait une critique paysanne qui ne se théorisait pas, qui n'avait pas lu Heidegger et qui considérait que les grosses machines à vapeur étaient des trucs absurdes, qui ne répondaient pas aux besoins des communautés paysannes pour leur travail, qui avaient plein d'impacts négatifs à tous les niveaux. Et donc, pendant 70 ans, ils ont résisté à l'utiliser jusqu'au moment, dans les années 30, je passe ces détails, où il y a plein de mécanismes juridiques, institutionnels, l'arrivée massive du pétrole, les nouveaux moteurs qui vont faire que le truc va s'imposer massivement, et puis après on va faire la moissonneuse batteuse qui réunit les deux opérations, et puis on entre dans l'ère du gigantisme agricole. Et sur la question de l'agriculture, ça rejoint l'autre question qui était évoquée tout à l'heure sur la robotisation. Moi, je pense que il y a un moment, il faut parmi les projets qu'il faut construire, il faut arrêter de considérer que le progrès ou l'émancipation des sociétés passe par une disparition du travail qu'on dit pénible. Qu'est-ce qu'un travail pénible? Il y a plein de travaux pénibles, peut-être des travaux qui nécessitent de la force, du travail manuel, un contact avec la matière, qui n'est pas nécessairement considéré comme pénible par plein de gens. Et il y a plein de travaux qui ne sont pas pénibles, qui sont dans des bureaux climatisés, tout ce que vous voulez, et qui sont extraordinairement pénibles. Et ce qui est fascinant aujourd'hui, c'est que le monde numérique invente, plus autant ou moins qu'il fait disparaître, il invente des tas de boulots qui n'ont aucune signification, des boulot de merde, comme on le dit maintenant, et les gens souffrent. Dans les pays occidentaux, dans les pays non européens, les gens souffrent d'expériences de travail prolétarisées, avec des salaires misérables, dans des conditions d'hygiène misérables. Et dans les pays riches de l'Ouest, les gens souffrent de travaux considérés comme de plus en plus absurdes, hors sol, fondés dans des grandes bureaucraties, où les gens ne savent plus ce qu'ils fabriquent. Et il y a plein de gens aujourd'hui, des jeunes ingénieurs agronomes, des jeunes qui ne veulent pas rester dans les bureaux devant leur ordinateur et préfèrent revenir à des formes de travaux qui pouvaient être considérées comme pénibles ou difficiles, mais qui ont une dimension d'émancipation, parce qu'au final, retrouver un contact. Donc l'horizon du progrès agricole, ce n'est pas de diminuer encore la part des actifs agricoles qui existent dans la société, ça serait de redensifier l'activité agricole en travail, ce qui permettrait de résoudre en partie le problème du chômage, de redonner du sens à toute une série de gens qui veulent retrouver un contact
contact avec la nature, avec le monde vivant, produire des biens alimentaires, ça a du sens. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens qui veulent faire ça ne peuvent plus parce qu'il y a une telle concentration foncière que l'accès au foncier est impossible. Ben bon, il y a les amis de l'atelier paysan qui sont là et qui travaillent justement à ces questions-là, qui interrogent le machinisme agricole et qui critiquent pas en général la technique, qui critiquent le high-tech, la robotique agricole, les drones, tous ces trucs qui sont vendus soi-disant pour sauver l'agriculture et qui accentuent encore les crises sociales et environnementales. C'est ça. L'agriculture est un exemple magnifique de ces contradictions. Bon. Moi, j'avais peut-être pas vraiment. Il y a peut-être une question à droite qui était plus pour moi, je sais pas. En gros, à l'heure où le permafrost fond, etc., qu'est-ce que c'est critiquer la technique ? Je pensais que j'avais été clair, mais j'ai pas dû l'être assez. En gros, c'est OK, il y a donc une critique morale, sociale du high-tech, etc. Mais à l'heure de tout ce que vous dites, il faut objectiver les choses et regarder matériellement ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est pas forcément dans le high-tech en termes matériels. Ce que je vous montrais, les tableaux que je vous montrais, c'était beaucoup le béton, en fait. Et le béton, c'est un truc... Alors, il y a du high-tech, mais c'est pas vraiment l'essentiel. C'est des énormes machines qui arrivent à broyer les graviers pour en faire... Ils mélangent ça avec du ciment pour en faire du béton. C'est ça qui vraiment change profondément le système Terre et qui fait fondre le permafrost. Donc, je pense que la nouveauté par rapport à ce que François avait étudié dans son bouquin, c'est qu'en gros, justement, en tout cas, tel que tu les racontes, les technocritiques critiquent le dernier machin qui débarque, alors que l'enjeu, en fait, c'est de critiquer tout ce dont on a hérité. Et aussi, si vous voulez, le dernier machin, mais il s'avère que c'est peut-être pas ça l'essentiel. Peut-être c'est très important de critiquer les drones dans l'agriculture, peut-être c'est beaucoup plus important de critiquer les pesticides et les engrais qui sont des technologies qui remontent à la Première Guerre mondiale, pour dire les choses simplement. Donc je crois que vraiment c'est le moment pour l'environnement, pour la question de l'anthropocène et du permafrost, d'arrêter de mélanger nos angoisses morales sur le numérique. On a un petit peu ça quand même sur le smartphone qui nous rendrait débiles, qui nous rendrait asociales, etc. Ouais, faut peut-être un peu relativiser. Je me souviens que les dessins animés à la télé dans les années 70, ça devait nous rendre complètement crétins aussi. Bon, je suis peut-être un peu crétin, mais on était abreuvés de Club Dorothée, c'est pas non plus si dramatique. Donc je pense que c'est le moment de sortir un peu de ces angoisses morales sur la technique et de réobjectiver les trucs. Et en ce moment, la crise environnementale nous impose de faire ça aussi. Voilà. Donc une fois encore, le seul truc que je voudrais que vous reteniez, enfin, à mon avis, le truc important de faire, c'est si on rematérialise, on se rend compte que les trucs qui vraiment nous mettent dans les merdes, c'est des choses anciennes, et il faut faire une critique rétrospective de la modernité, et pas forcément une critique futurologique de la modernité. Voilà. Ouais, quoi ? D'accord. D'accord. Oui, alors, j'ai une question à propos de la science. Je vais être clair là-dessus. La science est une forme de connaissance. Elle est une forme de connaissance parmi d'autres. Elle n'a pas d'efficacité en soi. Elle est efficace en fonction du groupe social dans lequel elle agit, c'est-à-dire aujourd'hui dans la civilisation moderne, fondée sur le capitalisme et son profit. Mais l'aborigène d'Australie qui utilise un boomerang, il est extrêmement efficace dans son milieu. On m'a dit tout à l'heure qu'ils avaient même des haches polies qui étaient plus efficaces que la nôtre il y a 35 000 ans. Donc chacun a une connaissance qui est en rapport avec ce qu'il veut faire de son milieu. Et s'il veut préserver son milieu, il aura un certain moyen technique d'agir sur lui et avec lui. Or, aujourd'hui, la science nous a dépossédés de ce rapport avec le milieu dans lequel nous vivons. Je dis bien, elle a même inventé un mot terrifiant, l'environnement. Elle nous a mis au centre du monde. Et ce que, en fait, elle ne fait que reproduire, même avec le Big Bang, ce que on trouve dans la Genèse. Dieu a créé le monde, puis a créé donc toutes les espèces, comme on vient de le dire, et puis il a installé l'homme pour les dominer. Et qu'est-ce qu'elle fait, la science ? Elle fait exactement, elle obéit tout à fait à la parole biblique. Ce que n'avaient pas fait les autres connaissances. Donc la notion d'efficacité par rapport à la science, je dis, elle est nulle. Je n'ai pas besoin d'aller dans l'anthropologie à la Pierre Clastre, pour parler des sociétés sans État, par exemple. Mais simplement, si on regarde la phénoménologie dans notre civilisation moderne, on a parlé de Anders, vous n'êtes pas d'accord sur Anders et sur bien d'autres, sur Jonas et sur Arendt, qui sont tous
des étudiants de Heidegger, je ne parlerai pas d'Heidegger, mais je pourrais parler de son père intellectuel, Husserl, et Husserl le dit. La science est étudiée à travers d'un dispositif qu'elle a créé, un dispositif mathématique. Donc la mathématique, c'est le monde, elle part de ce monde avec beaucoup de puissance, mais justement de puissance. Elle ne se contente pas de le regarder, elle agit sur ce monde. Alors évidemment, on a le progrès dont j'ai parlé tout à l'heure, il est évident, mais le progrès, c'est une trajectoire. Si on prend la trajectoire de la santé, ah oui, très bien, on est beaucoup mieux, on n'a plus la douleur des autres. Mais en réalité, nous sommes totalement démunis devant la connaissance existentielle. Alors, je ne vais pas faire de la théologie, je ne vais pas essayer d'être spirituel. Je ne suis pas matérialiste, c'est vrai. Et donc, je cherche un sens à l'existence. Mais ce sens, ce n'est pas la machine qui va me le donner. Ce sens, ce n'est pas l'intelligence artificielle. Ce sens, il est au départ de l'humain. Et le départ de l'humain, il est dans son rapport avec son milieu et pas avec son environnement. Et la technique, telle qu'on peut la concevoir, comme on en a parlé, comme on en a parlé ici, avec les low-tech, avec d'autres moyens de comprendre à notre façon l'univers, c'est une manière d'être au monde. Être au monde, ce n'est pas simplement le connaître pour en faire quelque chose. Être au monde, c'est être avec le monde. Voilà. Donc je pense que c'est ça qu'on devrait orienter, c'est vers cela que devrait s'orienter la connaissance aujourd'hui. Si, en tout cas, s'il n'y a pas une modification radicale de l'imaginaire par rapport à la nature, ce qu'on appelle la nature, c'est-à-dire en fait par rapport à notre milieu, eh bien je crois que c'est foutu. Voilà, c'est tout. C'est pas l'intelligence artificielle, c'est pas la technologie telle qu'elle est pensée aujourd'hui, c'est pas la puissance qui nous sauvera, c'est nous-mêmes, par notre psychisme, par notre foi en une autre manière d'être au monde. Je le dis parce que j'ai plus de carrière à faire, je l'aurais pas dit il y a 10 ans, hein. Oui, juste une remarque sur l'opposition qui a été faite par une dame entre les solutions pratiques et les solutions théoriques et l'attention excessive que nous apporterions aux solutions théoriques. Quand j'entends cette opposition entre pratique et théorie, j'entends en fait une opposition d'un autre type qui est celle des approches individuelles et des approches collectives. Parce que, bon, j'ai déjà été dans des discussions comme celle-ci, et souvent cette critique de solutions théoriques est posée dans la salle quand il est question justement de modifier le capitalisme, de poser la question du profit comme un obstacle, et des choses de cet ordre-là. Dans les solutions individuelles, qui sont évidemment des choses qu'il faut absolument faire, vous imaginez bien que mes enfants sont tous du côté de, voilà, j'ai un fils paludier, j'ai une belle fille qui fait de la permaculture, etc., etc. Mais la question se pose, est-ce que ça suffit? Parce qu'il y a deux problèmes qui se posent, le problème de la taille critique, combien devons-nous être pour faire une différence, et les chronologies, combien de temps est-ce que ça prend. Sur la question des possibilités, je me suis trouvé un jour dans un débat avec quelqu'un que je connaissais bien et qui me disait, mais non, il faut que tous au niveau urbain, que nous aurions des potagers, etc. Et je lui ai posé la question, j'ai dit, qu'est-ce que vous faites vous personnellement? Alors là, il a dit la chose suivante, il dit, ben, moi j'habite à Liège, vieille ville industrielle depuis la fin du XVIIIe siècle. J'ai posé la question à un chimiste en lui apportant un échantillon de terre de mon jardin. Il m'a dit de surtout pas essayer de faire pousser des légumes là-dedans, il serait immangeable. Je ne dis pas ça pour me moquer de lui, mais ce qu'il soulevait, c'était la question de la taille critique et de la chronologie. J'ai fait un petit relevé tout à l'heure, pas du tout dans l'intention de le mentionner ici. J'ai pris le taxi de la station Vavin à la station Rue d'Hydro, et je voulais voir l'importance des trottinettes par rapport aux vélos en ce moment. J'ai vu 27 vélos, j'ai vu 15 trottinettes, j'ai vu un monsieur à patins roulettes, j'ai vu des dizaines de scooters et de motos, et des centaines, je ne les ai pas comptés, des centaines de voitures. Nous sommes tous disposés à changer les choses, mais dans combien de temps y aura-t-il une masse critique de gens qui pourront faire une différence quand on nous parle d'augmentation de la température de plusieurs degrés qui détruiront non seulement les espèces, nous menacer aussi
des guerres que nous devons entreprendre parce que des gens se déplaceront en masse de parties du monde qui seront invivables. Notre système de thermorégulation à nous, les mammifères, fait que si l'on poursuit la courbe qui est celle actuelle, en 2200, les mammifères, pour survivre, nous devons vivre dans des terriers ou dans des abris. C'est avec des chronologies de cet ordre-là que nous devons réfléchir aux solutions individuelles et de voir s'il ne faut pas encadrer tout ça dans des solutions qui sont théoriques maintenant sans doute, mais qui seraient des solutions collectives. Merci beaucoup. Bon, ben, voilà, il est 18h, on va clore cette première table ronde. Alors je veux bien remercier chaleureusement François Jarige d'y avoir participé, Jean-Baptiste Fressos, Alain Gras, Paul Jorion. Merci à vous, je pense qu'on peut les applaudir pour la qualité des échanges et leurs propos passionnants de cet après-midi. Je vous rappelle donc la deuxième table ronde. Merci, à tout à l'heure.